Je vous salue tous ce matin. And I greet you all this morning. Asseyez-vous. You can be seated. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. In the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Je suis très content d'être ici ce matin. And I'm so glad to be here this morning. Et pour représenter encore ce glorieux ministère de Malachie 4. And to represent one more time this glorious ministry of Malachi 4. Et pour servir l'épouse de Christ. And to serve the bride of Christ. Croyez-vous que vous êtes son épouse? Do you believe that you are his bride? Amen. C'est un privilège d'être ici. It is a privilege to be here. Je me suis senti très content ce matin. I felt so blessed this morning. De savoir et de comprendre ces choses de la parole. To know and understand these things of the word. Ça fait du bien. It feels so good. De savoir que Dieu se révèle à nous. To know that God is being revealed unto us. Combien peut dire amen? How many can say amen? Nous continuons notre grand enseignement sur les 70 semaines de Daniel. And we're continuing with our great teachings on the 70 weeks of Daniel. Et nous avions fini sur les 6 buts. And we finished on the 6 purposes. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le 6e but, rendre le saint des saints. Last Sunday, we spoke about the 6th purpose, which was to anoint the most holy. Le tabernacle qui sera utilisé dans le millénium. The tabernacle that will be used in the millennium. Le Saint des Saints, ce n'est pas le Seigneur Jésus. The Holy of Holies is not the Lord Jesus Christ. Le Saint des Saints, c'est la Nouvelle Jérusalem. The Holy of Holies is the New Jerusalem. C'est toujours l'Église. It's always the church. Qui peut dire amen? Who can say amen? Dieu est venu rendre son Église dans l'onction de la plénitude dans ces derniers jours. God came to anoint his church with the anointing of the fullness in these last days. Et c'était merveilleux de lier ça avec beaucoup de doctrines. And it was wonderful to link it with many doctrines. Et de relier les écritures qui semblaient comme contradictoires. And to connect the scriptures that were kind of contradictory. De relier ça avec la troisième venue et le millénaire. And to link it with the third coming and the millennium. Et la semaine nous avons lié ça avec Psaume 23. And during the week we linked it with Psalm 23. Dont David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Which David said that the Lord is my shepherd and I'm not being want. Quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort. Even though I walk in the shadow of death. Cette écriture-là parle des corps. That scripture is speaking about the body. Branham dit que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Branham says that when you're baptized with the Holy Spirit, the new birth. Tu n'es plus dans les ténèbres. You are no longer in darkness. La lumière éternelle touche ton âme. The eternal light touch your soul. Et tu deviens là, tu es là dans la vallée de l'ombre. And then now you become in the valley of the shadow. Il y a l'ombre quand la lumière est projetée. There is a shadow when there is a light which projects. Mais un jour nous quitterons l'ombre de la mort. But one day we'll leave the shadow of death. Pour le corps lumière. For the body light. Nous avons vu la théophanie devient une chair immortelle. And we saw that the theophany became an immortal body. Et c'est ça le corps glorifié. And that's the glorified body. C'est ça le tabernacle que nous vivons dans le millénium. And that's the tabernacle that we live in the millennium. Mais déjà ici dans ces derniers jours. But already here in the last days. Dans le millénium nous serons dans le corps glorifié, n'est-ce pas? Because in the millennium we'll be in a glorified body. Alors mais ici déjà. And already here. Cette onction a oint nos âmes. This anointing has anointed our souls. Et nous avons expliqué sur le mystère de la translation là-dessus. And we explained on the mystery of translation. Samuel avait déjà oint David. Samuel had already anointed David. Pendant que Saul continuait à régner. While Saul was still ruling. Quand David est devenu roi. And when David became a king. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il était oint. It wasn't at that moment that he was anointed. Mais il était déjà oint. But he was already anointed. Par Samuel. By Samuel. L'épouse est déjà oint ici. The bride is already anointed. Nous avons lié here. L'onction des saints des saints avec le titre de propriété, and le livre. We linked the anointing of the Holy of Holies with the title deed, the book. Apocalypse 10, 8 à 11. Revelation 10, 11. Parce que c'est là où nous serons dans l'Éden. That will be the Eden. 1000 ans. 1000 years. Et comment Adam vivait avant la chute? And how was Adam living before the fall? Il avait le livre. He had the book. Parce que nous avons lié les saints, l'onction des saints des saints, c'est aussi le livre. Because we connected the book of the Holy of Holies. The Holy of Holies is also the book. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Et vous devez comprendre que les 6 bits. Now you need to understand that the 6 purposes. Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 19. Revelation 6 up until 19. Les 6 bits sont contenus dans Apocalypse 19. The revelation is connected. The 6 purposes connected in Revelation 6 Jésus up until 19. Comme le roi des rois. All that is being connected when the Lord descends as the King of Kings. Rabbanan dit ça dans les 6 bits, paragraphe 134-135. The prophet says it in the sermon, the 6 purposes, paragraph 135. Là, c'est le millennium. L'onction que nous avons reçu ici. The millennium. That is anointing we received here.
produit en nous les corps glorifiés. It produces in us the glorified body. Et nous vivrons pendant 1000 ans. And we'll live for 1,000 years. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Wasn't it wonderful? Et nous sommes aujourd'hui dans le 10e volume. And today we are in the 10th volume. Ça nous reste deux. We have got two more left. Parce que je vais seulement m'arrêter sur les 70 semaines. Because I'm just going to stop on the 70 weeks. Mais j'ai promis qu'après j'enseignerai sur Gog et Magog. And I promise that afterward I'm going to teach on Gog and Magog. L'Armageddon. Armageddon. Le souper des noces. The wedding supper. Le trône blanc. The white throne. Et je prendrai beaucoup de volumes sur la nouvelle Jérusalem après. And I will take afterward many volumes on the new Jerusalem. Maintenant, si vous êtes dans l'expectative et en esprit de la Now, parole, if you are in the spirit of the word and the expectations, nous allons continuer encore. We'll carry on again. Priez pour beaucoup de frères qui sont partis dans les voyages. Pray for a lot of brothers that has traveled. Le président des administrateurs est the parti of the au Congo Brazzaville, à Pointe Noire. Brazzaville Point Frère Noir. Etienne et frère Dominique qui est parti à Lubumbashi et beaucoup d'autres. Prions pour eux. Let us pray for them. Alors avec beaucoup de joie dans nos cœurs and with a lot of joy in our et avec heart, cette présence bénie de la parole and with this blessed presence of the word, levons-nous. Let us stand. Ouvrons nos Bibles. Let us open our Bibles. Pour le 10e volume. For the 10th volume. Dans Daniel. In Daniel. Chapitre 9. Chapter 9. Le verset 24 au verset 27. Verse 24 to 27. Aujourd'hui, je me suis réveillé très content là. Today I woke up so happy. Une joie dans mon âme. A joy in my soul. C'est savoir que Dieu nous a choisis pour comprendre ces choses. It's to know that the Lord has chosen us to understand these things. Et une joie dans mon âme. And the joy in my soul. De savoir quel merveilleux prophète Dieu nous a envoyé. To know what a wonderful prophet that God has sent unto us. Avec quelle merveilleuse parole. With what a wonderful word. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le saint des saints. Ce sont là les subites que nous avons vus. Now the first verse is the sixth purpose that we have seen. Écoutez maintenant. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y aura 7 semaines. Et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un Noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et dira la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qu'il a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel chapter 9, verse 24. 70 weeks are determined for your people and for your holy city. To finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The streets shall be built again and the wall, even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The hand of it shall be with a flood. Until the end of the war, desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate even until the consummation which is determined is poured out
on the desolate. Allons dans le livre de Néhémie. Let us go in the book of Nehemiah. Néhémie chapitre 2. Nehemiah chapter 2. Le verset 1 au verset 9. Verse 1 to 9. Retenez bien ces choses ici. Keep in mind all these things. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Tu ne peux être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vit éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il prie au roi de me laisser partir. Je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Azab, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Je leur remis des lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Amen. Nehemiah chapter 2, verse 1. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I heard, I had never been said in his presence before. Therefore, the king said to me, why is your face sad? Since you are not sick, this is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid and said to the king, may the king live long forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tomb, lies waste and its gates are burned with fire? Then the king said to me, what do you request? So I prayed to the God of heaven. And I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judea, to the city of my father's tomb, that I may rebuild it. Then the king said to me, the queen also sitting beside him, how long will your journey be? And when will you return? So it pleased the king to send me, and I sent him a time. Furthermore, I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region behind the river, that they must permit me to pass through till I come to Judah. And a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give me timber to make beams for the gates of the citadels, which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. And the city granted them, and the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. Then I went to the governor in the region beyond the river and gave them the king's letter. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. Pour remercier Dieu qui nous a révélé ces choses, and to thank God that's revealed these things to us, par le ministère de ce grand messager, by the ministry of this great messenger, lisons Apocalypse 17. Let us read Revelation 17. C'est à cause de ça que nous comprenons ce mystère. It's because of this that we understand these mysteries. Apocalypse, le verset 7. Revelation chapter. Vous connaissez. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand 7. Il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Revelation chapter 10, verse 7. But in the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to sound, the mystery of God will be finished, hence
He has declared to his servants, the prophets. Coupons nos têtes pour la prière. Let us bow our head for a word of prayer. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Lord Jesus, our God. Ce matin, Seigneur, mon cœur est dans la joie. This morning, Lord, my heart is rejoicing. Je ne sais pas pourquoi cette joie du salut dans mon âme. I don't know why this joy of salvation in my soul. Et c'est savoir, Seigneur Jésus-Christ. Just to know, Lord Jesus. Que nous, les pauvres pécheurs que nous sommes. That we sinners that we are. Toi, tu as laissé les sages et les intelligents. You left the wise and intelligent. Tu nous as donné de grandes révélations ces derniers jours. And you have given us greater revelation this last day. Ni l'or ni l'argent ne peut l'acheter. Neither gold or money can buy it. Et ce sont ces révélations qui nous est venues par le septième ange. And these are the revelations that came to us through the seven angels. Ton saint prophète William Branham. Your holy prophet William Branham. Que le monde a rejeté, Père. That the world has rejected. Mais nous on n'a pas fait un effort. But we never made an effort. Nous avons reçu ce messager. We received the messenger. C'est pourquoi nous sommes bénéficiaires de ces mystères. That's why we are beneficiary of this mystery. Puissance de transformation, which has got in her the power of la puissance de l'enlèvement, the power of the rapture, la puissance de changer nos vies, the power of changing our lives, la puissance de la bénédiction, the power of blessings. C'est pourquoi, oh Dieu, that's our God. Merci Seigneur, thank you Lord Jesus, pour les prophètes, for the prophets. Merci pour ta parole, thank you for your word. Et merci pour l'inspiration, thank you also for the inspiration. Maintenant viens prendre le contrôle de cette réunion. Now come and take control of this meeting. Et toi qui as révélé la parole au septième ange, that's you that has revealed the word to the seventh angel. Viens encore le révéler à cette église locale. Come one more time and reveal to this local church. Et que le glorieux Saint-Esprit, and let the glorious Holy Spirit, le révèle dans nos âmes. Reveal it in our soul. Afin que cette parole, so that this word, puisse produire en nous la vie. May produce in us la life. La vie littérale de Jésus-Christ. The literal life of Jesus. Que nous soyons Christ. Des hommes et des femmes différents. May we be different men and women. Avec une vie différente. With a different life. Avec le sommet de la vie chrétienne. With the climate of a Christian life. Et être prêt pour l'enlèvement. And be ready for the rapture. Bénis chaque personne ici. Bless each person tout here. Tout esprit d'envoûtement. All spirit of bewitchment. Misunderstanding, spiritual misunderstanding of unbelief, destruction, les esprits de chagrin, or the spirit of grief, ou de rejet de la parole, or rejection of the word. Nous chassons ça au nom de Jésus-Christ. We cast it out in Jesus Christ's name. Que la gloire de la Shekinah descende. Let the glory of Shekinah descend in our midst. Apporte chaque personne dans cette salle. Bring each person in this place. Dans les lieux célestes en Christ. In the heavenly place in the Lord Jesus. Et comme tu as dit par ton prophète, as you say, le ciel consiste dans la parole. Heaven is about the word. Viens amener cette parole à la profondeur de nos âmes. Come and bring this word in the deepness of our soul. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. In the almighty name of the Lord Jesus Christ. C'est notre prière. This is our prayer. Amen. Amen. Gloire à Dieu, maintenant soyez-vous. Glory to God, you may be seated. Nous sommes dans le 10e volume de notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. We are in the 10th volume of our teaching on the 70 weeks of Daniel. Et le 10e volume, nous allons parler sur les 7 semaines. And the 10th volume, we're going to speak about the 7 weeks. Projetez-moi le tableau des 70 semaines de Daniel. Project me the picture of the 70 weeks of Daniel. Nous entrons maintenant dans les 7 semaines de Daniel. Now we're getting into the 7 weeks of Daniel. Nous avons étudié comment ils étaient partis en captivité. We studied on how they went in captivity. Et comment quand la captivité avait 68 ans. As the captivity was 68 years. Là, Daniel a compris par le livre de Jérémie. Then Daniel understood by the book of Jeremiah. Que Jérémie avait dit que la captivité va durer 70 ans. That Jeremiah said that the captivity will last them for 70 years. Il a commencé à prier Dieu. And he started praying God. C'est là où l'ange Gabriel est venu lui révéler. That's where the angel Gabriel came to reveal unto him. Remarquez, Daniel avait demandé une petite chose. Now notice, Daniel requested for a little thing. Il voulait seulement savoir au sujet de la captivité. He just wanted to know concerning the captivity. Parce que ça faisait déjà 68 ans. Because it was already 68 years. Et il demandait Dieu pour les 70 ans. And he was asking God about the 70 Donc years. Donc Jérémie avait dit qu'ils vont sortir. Which Jeremiah said that they will go out. Observez pendant qu'il demandait une petite chose. Now observe, hence they were asking for a little C'est-à-dire thing. C'est-à-dire les 70 ans. Meaning the 70 years. Dieu lui donna toutes choses. God gave him all things. Dieu lui donna tous les calendriers. God gave him the entire calendar. Si vous le comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Il demande sur les 70 ans de la captivité. He asked on the 70 years of captivity. Parce que ça faisait 68 ans. Because it was 68 years. Il a demandé une petite chose. Now he asked for a little thing. Mais Dieu lui donne une grande chose. But God rather gave him a greater Gabriel thing. Gabriel est venu lui révéler les 70 semaines. And Gabriel came to reveal unto him the 70 weeks. Je vous ai dit que 70 semaines est différent de 70 ans de captivité. I told you 70 weeks is different from 70 years of captivity. Dieu lui révèle tout le plan.
God revealed unto him all the entire plan. Depuis la restauration de leur retour jusqu'au millénium. From the restoration of the return up until the millennium. Dieu lui révèle les 70 semaines mystères. God revealed unto him the mysteries of 20 weeks. Et remarquez que quand il a reçu cette révélation, and when he received the revelation, notice, Gabriel lui a parlé des 6 buts qu'on a étudié précédemment. Gabriel spoke about the six purposes. Et Gabriel lui dit que 70 semaines. And Gabriel now tells him that the 70 weeks ont été fixés sur ton peuple, was fixed upon your people, et sur ta ville, and your city. Et ces 70 semaines là, and the 70 weeks, Gabriel lui révèle là où on allait. Gabriel revealed unto him where we read. Et depuis quand la promulgation sera promulguée pour rétablir Jérusalem? Now since Herod, the troubles that come was there in order to bring back Jerusalem. Il y aura 7 semaines. There will be 7 weeks. Depuis la promulgation pour reconstruire Jérusalem. From the troublesome to rebuild Jerusalem. Reconstruire la ville. To rebuild Jerusalem, the city. Reconstruire le temple. To rebuild the temple. La Bible dit ici que Dieu lui a dit il y aura 7 semaines. Now, the Bible says here that God told him that there will be 7 weeks. Et il y aura aussi 70 semaines. And there will be also 62 weeks. Observez, 7 semaines. 7 weeks. Et après 70 semaines. Then 62 weeks. Et Dieu lui dit, il y aura l'Oint qui viendra. And God told him that the anointed or the Messiah will come. L'Oint qu'on appelle le Messie, qu'on appelle le Christ. The Messiah that we call the anointed, the Christ. Qu'on appelle le Shiloh. The Shiloh. Et le Shiloh sera retranché au milieu. And the Shiloh will be taken away from the midst. Et quand le Shiloh sera retranché loin, and when he shall be taken out from the midst, et Gabriel a dit à Daniel, and Gabriel said to Daniel, un prince lointain viendra. A prince from afar shall come. Et il viendra encore dévaster la ville. And he will come again to devastate the city. Et là, après sa fin, il arrivera comme une inondation. And there his hand will come like a flood of water. Et remarquez les 70 semaines. And now notice the 70 weeks of Daniel. C'est un mystère qui était caché au cours des âges. It was a mystery hidden all along the ages. Parce que c'est tout le plan de la rédemption. Because that's the entire plan of redemption. Si vous le croyez, dites amen. If you understand, say amen. C'est un grand mystère. It's a great mystery. Que les gens ont essayé de sonder tout le temps. That people try to check from all this time. Luther a essayé de comprendre ça. Luther tried to understand it. Paul a essayé de comprendre ça. Paul tried to understand. Oui, l'apôtre Paul. Yes, the apostle Paul. Avait essayé de comprendre ça. He tried to understand. Mais il n'a pas compris. But he couldn't understand. C'est why il a dit que quand le parfait viendra. That's why he said when the perfect shall come. Plusieurs docteurs au cours des âges. Many doctors all along the age. Plusieurs chrétiens. Many Christians. Ont essayé de calculer ça. They tried calculating this. Qu'est-ce que signifie 70 semaines? But what is the meaning of 70 weeks? Est-ce que ce sont les semaines de jours? The weeks of the days. Est-ce que c'est ça signifie quoi? What does that mean? Ils étaient des enfants de Dieu. They were children of God. Ils étaient des messagers de Dieu. They were messengers of God. Paul a essayé de comprendre ça. Paul tried to understand. Il n'a pas compris. He failed to understand. Irénée a essayé, il n'a pas compris. Irénée tried to understand. Martin, Luther, Martin, Luther, Wesley, tous Wesley, les grands. All the great ones. Ils ont sondé de comprendre qu'est-ce que signifie 70 semaines. They wished or hoped to understand what is the 70 weeks. Mais ils n'ont pas compris ça. But they could not understand. Pourquoi? Why? Dieu ne vous fait pas comprendre la parole. God doesn't make you understand the word. Parce que vous le désirez comprendre. Because you wish to understand it. Mais Dieu honore ses promesses. But rather God honors his promises. Parce que dans le cinquième but que nous avons vu. Because in the fifth purpose that we have seen. L'ange avait déjà dit à Gabriel, à Daniel. The angel had already told Daniel. Scelle le livre. Seal up the book. Vous devez sceller les choses que tu as vues là. You must seal up the things that you have seen. Jusqu'au temps de la fin. Up until the end time. La promesse de Dieu. The promise of God. Pour révéler les 70 semaines de Daniel. To reveal the 70 weeks of Daniel. N'était pas au temps de Paul. Was in the time of Paul. N'était pas au cours des âges. It wasn't all along the mais age. Mais Dieu avait promis que au temps de la fin. But God promised that at the end time. C'est au temps de la fin que les sages comprendront. It's at the end time that the wise will understand. Et ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. And those who know the God will do wonders. Le cinquième but c'est au temps de la fin. And the fifth purpose is at the end time. Là où Dieu viendra wendre. Le Saint des Saints qui est le sixième but. Where God will come and anoint the Holy of Holies, which is the sixth purpose. Que Dieu va révéler ce qu'il avait caché dans le code de 70 semaines. It's at that time that God will reveal what he had hidden in the code of the 70 weeks. Parce que c'est un code 70 semaines. Because it's a code, the 70 weeks. Or la promesse de révéler ces choses au temps de la fin. Now, the
promise of revealing these things at the end Dieu time. N'a pas donné ça à un pasteur. God did not give it unto a pastor. Il n'a pas donné ça à une église. He never gave it to a church. Dieu a promis que au jour de la voix du septième ange, God promised that in the days of the voice of the seventh quand angel, le septième ange sonnerait de la trompette, when the seventh angel will begin to sound the et trumpet, la trompette c'est l'évangile, and the trumpet is the gospel, quand le septième est messager, when the seventh messenger, parce qu'un ange veut dire un envoyé, because an angel means a saint. Mais si vous le croyez, dites amen. If you believe, it's an amen. C'est un messager. It's a messenger. Quand le septième messager, when the seventh messenger, va commencer à proclamer la parole, will bring forth the word, il sonnera les trompettes, he will sound the trumpet. Alors le mystère de Dieu, then God's mystery, s'accomplirait. Will be fulfilled. Tel qu'il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Hence he announced to his prophet, the servant, les prophètes qui ont écrit la Bible. The prophet says, meaning the prophets that wrote the Bible. Si Daniel a écrit une partie de la Bible, if Daniel wrote a part of the Bible, et là il parle de 70 semaines, and there he's speaking about the 70 weeks, nous sommes le peuple le plus béni de la terre. We are the most blessed people on earth. Parce que le septième ange est venu. Because the seventh angel came. Le septième messager est the venu. The seventh messenger came. C'est lui le prophète de Malachi 4. He is the prophet of Malachi 4. Ceci s'est accompli dans le ministère. And this came to pass in the ministry de notre prophète William Branham. Of our prophet William Branham. Il est le seul. He is the only one Dieu a donné la that God gave the revelation de décoder ce qu'il avait codé dans les 70 semaines. To take out the code of what he placed in the code of the 70 weeks of Daniel. Que quelqu'un va crier, I thought somebody would shout a big amen de se savoir ce matin to know this morning que les gens ne comprendront jamais that ça. People will never understand même s'ils sont spirituels. Even if they're spiritual, Dieu a déjà pointé son nom. God already pointed up his man. Et quand cet homme là vient, and when that man will come, c'est lui qui vous révélera ça. He will reveal this thing to you. Je suis content dans ma vie, and I am happy in my life faire partie, to partake des gens qui ont reçu ce message, from the people that received this message. Oh, quelqu'un peut crier amen, and somebody shout amen here. Remarquez, Frère Branham dit ceci. Now notice what Branham says. Dans les 70e semaine, in the 70th week, paragraph 50, paragraph 50 à 55, écoutez, il dit, to 55, listen, he says, or nous savons que les écritures ne peuvent pas mentir. While we know that the scriptures cannot deceive, elles doivent être la vérité. It must be the truth. Oh, mais dites amen au prophète. Say amen here to the prophet. Alors si cet ange Gabriel, now if this angel Gabriel, est venu dire à Daniel, came to tell Daniel, qu'il ne restait que 70 semaines pour les Juifs, that there is only 70 weeks left for the Jews, on pourrait penser que ce sont des semaines de 7 jours. Would have thought that those are weeks of 7 days. Seulement dans une prophétie, just in a prophecy, c'est toujours donné en parabole. It's always given in parable. Oh, dites amen. Say amen. 51, il dit. 51, he says. Alors, sans doute qu'au cours des âges, now, without a doubt, all along the age, il y a eu des centaines de centaines de personnes. There were hundreds and hundreds of people. Des érudits. Hérédits. Des hommes très doués. People that are so busted off themselves. Qui ont essayé d'expliquer ce qu'étaient les 70 semaines. That tried to explain what the 70 weeks was all j'ai about. J'ai lu beaucoup de commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet. And I read many comments that they spoke about this subject. Je suis très reconnaissant pour Monsieur Smith. And I'm so grateful for Mr. Smith. De l'église adventiste. The Adventist Church. Pour son point de vue. For his point of je view. Je suis reconnaissant pour le docteur Larkin. I'm grateful for Dr. Larkin. De son point de vue. On his point of je view. Je suis reconnaissant de tous les érudits. I'm grateful for all these past pour men. Leur point de vie sur le sujet. For the point of view concerning this subject. C'est très bien, ça m'éclaire beaucoup. It is so well, it's enlightening me about. Je trouve des choses qu'ils ont l'air juste. And I found some things there on our day that they found that is right. Point de vie. That they spoke on the point of view. J'ai pensé que j'aimerais l'exposer. And I thought that I can speak about j'ai it. J'ai une recherche le temps dans les encyclopédies et toutes ces choses. And I tried to go into research, to go deep down into encyclopedias. Nous voyons qu'il y a du temps, du temps. And there is time and time. Une moitié de temps, le terme and que half of the time with the term that Daniel says. Qu'est-ce que c'est? What is that? Une semaine. A week. Qu'est-ce que c'est? What is that? Il y a maintenant 3430 ans de ça. Now there is 3830. Dieu avait commencé à traiter avec les Juifs. Since God started to deal with the Jews. Il y a bien des années, Daniel, c'était avant Jésus-Christ. And many years before Jesus Christ. À l'époque, Daniel. Daniel. C'était avant Jésus-Christ. It was before Jesus Christ. À l'époque, c'était en 538 avant Jésus-Christ. It was in the time 738 before Jesus Christ. Avant Jésus-Christ. Before Jesus Christ, 738. Il a parlé de ceci.
He spoke about this. Au bout de 70 semaines, all along the 70 weeks. Nous voyons au bout de 70 semaines, il était toujours à Babylone. We see that the end, close to the end of the 70 weeks, he was still in Babylon. Pourtant, Dieu lui avait dit que cette période de temps, c'était tout ce qui avait été fixé sur le peuple. While God told him this period of time, that what was fixed for the people. Maintenant, c'est de mon église. Now, for those of my church. Si vous avez qu'au fil des années, if you see along the age, je vous ai toujours dit, I've always told you. Si vous voulez savoir de quel jour de la semaine on est, if you want to know which day of the week we are, regardez le calendrier. Look at the calendar. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Mais si vous voulez savoir dans quelle époque nous vivons, now if you want to know in which time we're living in, regardez les Juifs. Look at the Jewish. C'est la seule horloge de Dieu. That is the only clock of God. Dieu n'a pas compté le temps déterminé pour ces nations. God did not count the determined time for those of the Gentiles. Pour nous les nations dans les sept ans de l'Église. For us, the Gentiles in the seven church ages, Paul Branham, from Paul up until Brother Branham, y a pas un temps déterminé. There is no determined time. C'est pendant 2000 ans, it's all along 2000 y a years. Pas un temps fixé. There is no fixed time. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Pour nous, ces nations, y a pas un temps fixé. For us, the Gentiles, there is no fixed time. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Y a pas un temps fixé. There is no fixed time. Mais vous vous souvenez. But you remember. Vous voyez, see, Daniel a dit que beaucoup de gens ont essayé d'appliquer. Daniel said, many people tried to apply. 70 semaines de Daniel. 70 weeks of Daniel. Ils ont essayé d'appliquer ça à ces nations. They tried to apply to those of the Gentiles. Ce n'est pas vrai. It's not true. La Bible avait dit que sur ton peuple. Now, the Bible said upon your people. 70 semaines étaient fixées sur ton peuple. The 70 weeks was fixed upon your people. Mais c'est Daniel qui s'adressait pas à l'église. Now, it's Daniel who was speaking but not to the church. Le peuple de Daniel c'est les Juifs. The people of Daniel are the Jewish. S'il était adressé à l'église, if it was spoken to the church, ça ne donnera rien, voyez. It would have given nothing. Vous vous retrouverez bien dans le passé avant même la venue de Jésus. You find yourself in the past even before even the coming of Jesus. Il dit que ce serait écoulé, que ce sont les semaines prophétiques. Now, as it will come to pass, you find that those are prophetic weeks. Ce sont des semaines prophétiques. They are prophetic weeks. Dans lesquelles vous voudrez situer ça. In which you like to place it. Ce serait déjà écoulé. Those who will have elapsed. Mais c'est aux Juifs que cela s'adressait. But it was being spoken to, or it was concerning the Jewish. Dites un grand amen à cela. Say a big amen. Les 70 semaines s'adressent aux Juifs. The 70 weeks is being addressed to the Jewish. Parce que c'est l'horloge de Dieu. Because that is God's clock. L'horloge de Dieu c'est les Juifs. God's clock are the Jewish. Mais vous vous souvenez il n'y a pas longtemps quand les frères Agamben de la Californie. Says, no. You remember not long ago when Brother Angham Bridge from California, le vice-président des hommes d'affaires du plein évangile, full gospel, the vice president of the full gospel of. Et vous vous souvenez, il a dit, ils ont écrit minuit moins trois. And you remember they wrote a midnight, 3 minutes to midnight. Ils avaient tourné un documentaire scientifique. And it was a scientific documentary. Quand j'ai vu ces Juifs qui rentraient, when I saw the Jewish returning, quand j'ai vu les Juifs rentrer à Jérusalem, when I saw the Jewish returning back to Jerusalem, je suis venu ici au tabernacle. I came here to the tabernacle. Et j'ai dit, and I said, j'ai eu l'impression d'avoir eu une reconversion. I had the impression to have a reconversion. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Quand Frère Branham voit les Juifs retourner, when the prophet sees the Jewish returning back, parce que les Juifs c'est notre montre, c'est le calendrier. Because the Jewish is our clock, our calendar. Pas seulement Daniel a parlé de ça. Not only that Daniel spoke Jésus about it. Jésus lui-même est notre Dieu. Jesus himself, our God. Dans Matthieu 24. In Matthew 24. Quand il parle de la fin, when he speaks about the il end, il s'est référé de Daniel. He referred himself to Daniel. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Pas seulement se référer de Daniel. Not only to be referred to Daniel. Quand vous verrez l'abomination de la désolation. He said, when you see the abomination of desolation which Daniel spoke about, que celui qui lit fasse attention. Those who read, be careful. Nous avons vu que c'est la mosquée d'Omar des musulmans. And we saw that that was the mosque of Omar for the Muslims. Établi là où il y avait le temple. Established where the temple was. Pendant que je prêche ici, il y a des troubles là-bas, vous avez entendu depuis avant-hier. As I'm speaking now, there is trouble since the day nous before yesterday. Nous savons pas ce qui va arriver maintenant. We don't know what will happen now. Et regardez Jésus pour montrer au sujet du jour et l'heure. Jesus, to show the what concerns the day and the hour. Il dit personne ne connaît. He says nobody knows. Le Père seul. Only the Father. Il a donné une indication. But he gave an indication. Il dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, he said, when you see the fig tree budding, et le figuier, c'est toujours Israël, and the fig tree is always Israel. Jésus a dit, cette génération-là ne passera point. Jesus said that generation will not pass away. Répondez amen à la parole. Say amen to the word. Ça ne passera point. It will not pass c'est away. Vous voyez, Frère Branham, that's why you see Brother Branham. Comme un
croyant de Jésus, as a believer of Jesus, quand il a vu en son temps, when he saw it in his time, les Juifs qui étaient dispersés depuis le temps de Titus, the Jewish that was scattered since the time of Titus, commençaient à retourner à Jérusalem, returning back into Jerusalem, pour restaurer la nation juive, to restore the Jewish nation, pour reconstruire Jérusalem, to rebuild Jerusalem. Frère Branham dit, j'ai eu une reconversion. The prophet said, I had a reconversion. Si Frère Branham a eu une reconversion, now, if Brother Branham had a reconversion, on les voyait retourner, seeing them going back, à plus forte raison, combien nous ici, amen. How much more us here in amen? Parce qu'ils sont déjà retournés. Because they already were back. Nous sommes plus tard. We are now furthermore. Bientôt ils vont reconstruire le temple. Sooner they will rebuild the temple. Ça devait nous donner quelle reconversion? What sort of reconversion must now this give us? Regarde même votre manière de venir à l'église. Look even your way of coming to church. Regardez les zèles que vous avez. Look at the zeal that you have. Regarde même vos absences à l'église. Look at how you are being absent at the church. Regarde même les choses que vous êtes busy, les choses de ce monde. Look at how busy you are with the things of this world. Si cela a donné une reconversion à Frère Branham, if that gave a reconversion to Brother Branham, lui qui était prophète, him that was a prophet, alors que c'était seulement le retour des Juifs, while it was only the way back to the Jew, nous of the Jewish. Vraiment à la fin des fins. Now we are at the end of the end. Au temps de Frère Branham, ils ont dit c'est minuit moins trois. In the time of Brother Branham, they said it was 3 minutes to midnight. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? But today, what are we going to say? C'est plus que moins 3. It's actually more than minus 3. C'est vraiment la fin. It's actually the end. Qu'est-ce que cela produit dans nos âmes? What is this producing now in our souls? Oh, que Dieu nous aide ce matin. May God help us this morning. Frère Branham continue dit. Brother Branham carries on and says. Dans Matthieu chapitre 24. In Matthew 24. Jésus a dit, quand vous verrez les figuiers bourgeonner. Jesus said, when you see the fig tree budding. Alors quand les Juifs retournent. When the Jewish return. Bon, j'ai noté quelques observations ici. Je vais now, me référer. I put down some observation that je I will refer myself to. Je vais prendre mon temps, la période de temps où nous sommes maintenant. I will take my time. In the time now we are in now. Il s'agit de Juifs, les 70 semaines. It's about the Jewish, the 70 weeks. Ça n'a rien à faire avec l'Église. It has got nothing to do with the church. Tout ce qui est de chapitre 3 d'Apocalypse jusqu'au chapitre 19. All that is of Revelation of chapter 3 and part 19, it's only the church. Vous voyez ici le prophète de Dieu. Now you see here the prophet of God. Il utilise les 70 semaines. He said, now he uses here the term of the 70 weeks of parce Daniel. Que ça concerne Israël. Because it concerns Israel. Ça concerne les Juifs. It concerns the Jewish. Comme une montre à regarder. Like a watch to look at. Comme une calendrier à observer. Like a calendar to observe. Afin de savoir dans quel temps nous sommes. To know at which time we are. Afin que l'Église se prépare. So that the church makes itself ready. Parce que vous vous souvenez qu'ils sont partis en captivité. Because you remember they went in captivity. Réveillez-vous au temps de du premier royaume. In the time of the first kingdom. Projetez-moi la vision de la statue. Put me the vision of the statue. Observez ici ce matin. Now you'll observe here this morning. Daniel, ils sont partis en captivité. Daniel, they went into captivity. En 606. In 606. Première déportation, deuxième déportation, en 597 avant Jésus. The first deportation, the second 597 before Jesus. 586. The third deportation in 586. Au temps du roi Sédécias. In the time of the king Sedekias. Vous voyez là, ils sont partis en captivité. There they went into captivity. C'était au temps de quel royaume de la statue? Which time of the kingdom of the statue was that? Projetez-moi ça. Project it onto me. C'était au temps du premier royaume. It was the time of the first kingdom. Dont nous avons étudié profondément. Which we studied deeply. Le premier royaume qui était la tête d'or. The first kingdom which was the golden head. Le royaume babylonien. The Babylonian kingdom. Israël part en captivité. Israel goes to captivity. Remarquez au temps du premier royaume. Now, notice in the time of the first kingdom. C'est le roi Nabucodonosor. It was the king Nabucodonosor. Que Dieu avait utilisé. That God used. Il a dévasté le temple. He devastated the temple. Il a dévasté Israël. He devastated Israel. Et il les a amenés en captivité. And he brought them into captivity. Et Jérémie avait dit qu'ils vont durer 70 ans. And Jeremiah said that they will last for 70 years. Si vous les comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Et Daniel était là-bas depuis 606. And Daniel was there since the year 606. Le deuxième royaume est venu. Even when the time of the second kingdom came. Daniel a assisté à la fin du premier royaume. Daniel assisted the time of the first kingdom. Au temps de Belshazzar, nous avons étudié ça. In the time of Belshazzar, we studied it. Et remarquez même dans les changements du deuxième royaume. Now notice the change of the second kingdom. Quand les Médopers ont attaqué les Babyloniens. When the Medo-Persians actually attacked the Babylonians. Ces royaumes des Achémides.
That's the kingdom of the Shemit. Le trône d'argent, les Médopers. The weight of silver, the Medopers. Observez que Daniel a assisté à ces changements. Now observe that Daniel was there during the change. Maintenant, quand ils ont assisté à ces changements là, when he assisted the change. Regardez maintenant ici, ce n'était plus le royaume babylonien. Now here it wasn't the Babylonian kingdom anymore. C'était le deuxième royaume Médopers qui était établi. The second kingdom Medopers which was established. Daniel a assisté à ces changements. Daniel assisted to the change. Dans ces familles des Achémites comme on avait étudié. And into the study that we did, et là, Assyrus est devenu roi. And there Assyrus became a king. C'était un roi Médo-Perse. He was a Médo-Perse king. Observez, on ne peut pas laisser ça. Now observe, we cannot leave this. Remarquez quand Assyrus est devenu roi. Now notice, when Assyrus became a king. Parce que nous allons voir après Assyrus, son fils est venu ainsi de suite. Because we're going to see now also that after Assyrus, his son came again. C'est au temps d'Artaxerxès. It was in the time of Artaxerxès. Que il va signer le décret pour le retour des Juifs. That he will sign the deal of the return back for the Jews. Le retour s'accomplit ici au deuxième royaume. Now the return back happened during the second kingdom. Si vous le comprenez, dites un grand. If you understand, say amen. Et remarquez que ici Assyrus. Notice here that Assyrus. Qui était dans le royaume des Achémites. That was in the kingdom of Achémit. Assyrus, son nom c'est Assyrus' name was Xerxes. Différent d'Artaxerxès. It's different from Artaxerxès. Vous pouvez lire dans la Bible, on parle d'Assyrus. You can read the Bible speaking about Assyrus. Son nom aussi c'est Xerxes. His name was Xerxes. Observez qu'en ce temps-là, now notice that in that quand time, il prend le royaume, when they take the kingdom, et regardez le mystère, je vais qu'on continue. Now look at the mystery here before we carry Assyrus on. Assyrus était marié à la reine Vashti. Assyrus was married to the queen Vashti. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Esther. You can read it in the book of Esther. Esther a vécu au temps du deuxième royaume. Esther lived during the time of the second kingdom. Là, Assyrus était roi. There Assyrus was a king. Et Assyrus avait invité sa femme, la reine Vashti. And the king called for his wife Vashti. Afin de se présenter devant lui pour qu'il le présente devant son royaume. So that she can come before him and him presenting her before his kingdom. Et la reine Vashti a refusé. And the queen Vashti refused to et come. Et Assyrus a dit, qu'est-ce que je vais faire? And Assyrus said, what can I do? Il y avait au milieu de ce royaume sept sages. And all along his kingdom there were seven wise men. Et les sept sages là, le septième, son nom s'appelait Memucan. And that seventh wise man's name was Memucan. Observez son nom c'est Memucan. Now observe his name is Memucan. Un nom avec sept lettres. A name with seven letters. C'est lui le septième sage dans le royaume d'Assyrus. He is the seventh wise man in the kingdom of Assyrus. Et lui l'a dit que oh roi. He said, oh king. La seule chose à faire. The only thing to do si now. Si tu laisses la reine Vashti comme ton épouse. If you leave the queen Vashti as your bride. Toutes les femmes ne vont plus respecter leur mari. All the brides will no longer respect their husband. Alors il faut prendre la décision de la répudier parce qu'elle est insoumise. Now you might take a decision to send her out because she's unsubmissive. Observez, c'est Memucan qui prêche le mariage et divorce. Now notice, it was Memucan that is preaching marriage and divorce. Si vous le croyez, dites un grand amen. If you understand, say amen. Et le roi a dit amen aux paroles de Memucan. And the king said amen to the words of Memucan. Et il a écrit des lettres à tout son royaume. And he wrote letters to all his kingdom. Observez, les lettres sont envoyées au commissaire. Now notice, the letters were given unto the governors. La Bible dit que c'est envoyé au commissaire. The Bible says it was given to the governors. Et après, les eunuques ont commencé à rassembler les jeunes filles vierges. And the eunuch now started now to gather all the virgin women. Et dont Esther a été choisie du nom d'Adassa. And Esther was chosen by the name of Adassa. Mais Esther a trouvé grâce devant l'eunuque. But now Esther found favor before the eunuch. Et Esther ne voulait pas mettre le maquillage comme tous les autres. And Esther did not want to put. Enceinte. The Bible is teaching now that Esther did not want to put makeup like all others. Et après 9 mois, le roi a essayé de les éprouver. Now, after 9 months, the king tried to try them. De faire passer les filles là dans les maisons où il y a beaucoup de richesses dedans. Now, the king had to put all the women to go around where they were wealth and quand all the gifts. When they were passing around, they were taking quand many gifts. Arrive devant le roi, when they arrived before the king, ils sont full dedans. They are filled up with gifts. Le roi a dit que ce n'est pas eux. The king said, that's mais not quand them. C'était le tour d'Esther, but when it was the turn of Esther, Esther, est passée dans ses chambres, Esther went in all those places. Elle n'a rien pris. She didn't take anything. Esther, avait la révélation. Esther had a revelation. Si j'ai le donateur, but that if I've got the giver of gifts, si j'ai le roi, if I have the king, est-ce que vous êtes là? Are you here? Tout ce dont vous m'appartenez. All the gifts will belong to me. Esther ne regarde pas au don. Is not looking at a gift. Esther va chez le donateur. Esther is going to the giver of et the gift.
le roi, when she stands before the king, le roi a vu que Esther était naturelle. Now the king saw that Esther was natural. Et le roi l'a choisi. And the king has chosen Esther her. Est devenue reine à la place de Vashti. And Esther became a queen instead of Vashim. Et après cette première partie là, and after that first part, un ennemi d'Israël, an enemy of Israel, est sorti du nom d'Aman, came out by the name of Aman. Lui l'a voulu tuer les Juifs. He wanted to kill the Jews. Et il était contre Mardoché. And he was against Mordecai. L'oncle d'Esther. The uncle of Esther. Et il a fait les bois. And he made a wood. Afin de tuer Mardoché. So that they can kill Mordecai. Le roi regardait un peu les reliques. And when he was looking at the documentary, le roi Sursat a remarqué qu'un jour, and the king Cyrus noticed one day, qu'on voulait le tuer, that he wanted to be killed, que Mardoché l'avait protégé, and Mordecai protected him. Il dit que qu'est-ce que cet homme-là mérite? And he says, what did that man deserve? Il dit qu'il mérite qu'il soit couronné, honoré. He says he needs to be crowned and honored. Aman savait, pensait que ce serait lui. Aman thought that it will be him. Mais son ennemi Mardoché, but his enemy Mordecai, lui a dit, va couronner Mardoché. And then he told him, go and crown Mordecai. Mardoché a été élevé dans le royaume. Mordecai was lifted up in the kingdom. Observez, Mardoché était élevé dans le royaume. Now note is that Mordecai was lifted up in the kingdom. En ce moment-là, and at that Aman moment, a continué sa mission. Aman carried on with his mission pour tuer les Juifs, to kill the Jewish. Et Mardoché a envoyé le message à Esther and dans le royaume. Mordecai sent the message to Esther in the kingdom. Il dit, Esther, he said, mais Esther, si tu restes tranquille, if you remain quiet, toi aussi tu mourras. You also will be quand killed. On saura que tu es juif, when they will know that you are Jewish, et tous ses frères mourront. And all the brothers si will die. Tu n'agis pas, if you don't act, le secours viendra de Dieu. Then the rescue will come from God. Même ici à l'église, even here at church. Parfois vous n'agissez pas au show de l'église, at times you don't act the things of the church. Que quand tu n'agis pas, just bear in mind that if Dieu you don't act, capable de nous secourir. God is more than able to rescue us. Et Esther, quand elle a écouté and ça, Esther, when she heard it, la loi disait que tu ne peux pas dans la présence du roi. The law said you cannot be in the king's court. Si le roi ne t'invite pas, if the king doesn't invite si you, tu pars, même si tu es la reine, tu seras tué. And even if you go before the king without you being called, mais even Esther, if you're a queen, you'll be killed. Now read at home, you see that je Esther says, I want to go to the si king. S'agit de mourir, even if I have to die, que je meurs, let me die. Je vais entendre un amen. And I hear amen. Voilà une bonne église. That's a good church. Voilà une bonne épouse. That's a good bride. Esther a mis ses habits de and la reine. Esther put a queen garment. Les habits, c'est une position. Now a garment is a position. Et elle a avancé là. And she moved forward knowing that she could die. C'est-à-dire elle a pris le risque. Meaning she took the risk. Et quand elle a pris ce risque, and là, when she took the risk, quand le roi l'a vu dans la cour, when the king saw her in a courtyard, dit que le roi dit, mais je ne l'ai pas appelé. Now the Bible says that the king said, I never called for her. Si je lui laisse, elle va mourir. Now if I leave her, she'll die. Le roi lui a tendu le sceptre. Now the king gave her the scepter. Ce qui faisait du roi Assyrus roi, what made of the king Assyrus king, c'était le sceptre. It was his scepter. Quand il donne le sceptre à Esther, when he gave the scepter to Esther, c'est les passations des pouvoirs. That was the changing of power. Il a dit à Esther, demande tout ce he que said tu to veux. Esther, ask whatever you want. C'est ça le troisième pile. That is the third pool. Esther a dit au roi, Esther said to the king, je t'invite de venir manger chez moi. I invite you to come and eat in my et place. Quand le roi est venu avec Aman, why not the king came with Aman? Esther a dit au roi, Esther said to the king, il y a quelqu'un dans ton royaume. There is somebody in your kingdom. Ton premier ministre your Aman, prime minister Aman. Il veut exterminer toute ma famille. He wanna kill off all my family. Le roi était fâché. The king was angry. Le même bois que Aman avait fait pour que Mardoché puisse mourir, the same wood which Aman made for Mordecai to be killed, c'est le même bois là qu'on a pendu, on a pendu Aman. That was the same wood that Aman was hanged at. Et ce matin, je l'ai dit ici à and this morning I'm saying it in church. Tous les projets que Satan, all the project with Satan, a contre ma vie, has got against my life, contre ta vie, against your life, contre cette église, against this church, le même projet de malheur, the same project of misery que Satan veut rejeter that Satan wants to pour upon you. Matin, ici, this morning here, ça va renvoyer contre it will go back against himself. Et si quelqu'un croit, dit and if somebody believes me, say oui, amen. Mes frères, yes, sir. Alors en ce moment-là, then at that moment, Aman était mort. Aman was killed. Et le roi demande encore Esther. And the king asked again to Esther, qu'est-ce que tu fais encore? What do you want again? Esther a dit, je veux que les 10 fils d'Aman puissent mourir. Esther said, I want the 10 children of Aman to be killed. Et les 10 fils d'Aman sont morts. And the 10 kids of Aman died. Mais observez un mystère. Now observe a mystery. Le roi vient encore lui demander. The king comes again and asks her, qu'est-ce que tu fais encore? What do you want again? Lisez dans la Bible. Read the Bible again. Esther redit encore. Esther, say again. Je veux encore que les 10 fils d'Aman puissent mourir. I want
The children of Ammon again alors to be killed. Ils sont déjà morts. Why they were killed already? Pourquoi Esther demande ça encore? Why is it that Esther is asking it again? Ammon n'avait pas 20 fils. Ammon never had 20 children. Il avait 10. He only had 10 children. Ils sont déjà morts. And they were already killed. Mais Esther demande encore qu'ils soient encore pendus demain. But now, Esther asks again that they must be hanged again tomorrow. Amen. La Bible, c'est un livre now, the mystère. Bible is a mystery book. La Bible ne commet pas d'erreur. The Bible doesn't commit mistakes. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? C'est un livre inspiré de It's Dieu. An inspired book of God. Pourquoi ça là? Why is it like that? Nous ne pouvons pas avancer ça qu'on voit ça. We cannot move forward unless we see that. Projetez-moi ça au tableau. Project it for me. Ça va nous faire du bien. It's going to do us some good. Pourquoi amen. Ça? Why is it like that? Observez. Now observe. Frère Branham nous a enseigné. Frère Branham has taught us. Que les types ne se trompent pas. Types do not deceive. Projetez-moi ça. Project it onto me. Sur Esther. Upon Esther. Les types ne trompent pas. Types do not deceive. Et le septième sceau. And the seventh seals. Le mystère de l'épouse. The ministry of the mystery of the bride. Et les sept tonnerres. And the seven thunders. Sont révélés dans les types de la Bible. They are revealed in the type of the Bible. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? On serait premièrement que le livre d'Esther. Now notice first of all that the book of Esther. C'est le 17e livre de la Bible. The book of Esther is the 17th Bible, the 17th books of the Bible. Oh, le nombre 17, while the number 17, c'est la visitation. It's visitation. L'ange visita Marie à 17 ans. The angel visited Mary at 17 years of age. Dans Matthieu 17, Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils, écoute-le. In Matthew 17, God said to Jesus, thou art my son, la hear him. La pluie a visité le monde le 17 mai. The rain fell upon in the time of Noah, the 17th of quand May. Quand Frère Branham baptisait la 17e personne, when Barabbas was baptized in the 17th person, c'est là où le ciel l'a visité. That's where heaven visited him. Et c'est un livre de visitation de l'épouse. It's the book of the visitation of the bride. Et cela est mis entre Néhémie et Job. Placed between Nehemiah and Job. Frère Barnaby, la Bible est écrite mathématiquement. The prophet says that the Bible is written mathematically. Par révélation. By revelation. Or Néhémie. Why? Nehemiah. C'est le livre d'Israël qui est restauré. It's the book of Israel that is restored. Oh, qui peut dire amen? Who can say amen? Néhémie, c'est quand Israël rentre pour restaurer leur pays. Nehemiah, it's when Israel is returning back to restore the church. Et le livre de Job. And the book of Job, c'est le livre de la résurrection. Is the book of resurrection. Okay, Job a vu la résurrection. Because Job saw resurrection. Il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. He said, I know that my redeemer liveth. Job avait tout perdu. Job lost it mais all. Dieu a ressuscité encore les choses. But God resurrected things again. Observez le mystère. Now observe the mystery entre here. Entre la restauration. Between restoration. Et la résurrection. And resurrection. Il y a Esther. There is Esther. Il y a une femme. There is a woman. Il y a l'épouse. There is the bride. Oh, la restauration n'est well, the restoration of Nehemiah today, it's Malachi 4. If you believe it, say amen. It's Brother Branham that restores the church. He is Nehemiah of the end time. And before we see the dead, revenir dans les trois dimensions. Coming back in the three dimensions. Il y a ici l'épouse. There is the bride here. Qui doit se manifester. That must be manifested. Et Esther, c'est toi. And Esther, it's you. Si tu crois, ça lève la main. If you believe it, lift up your hand. Dis que je suis Esther. Say, I am Esther. Et son vrai nom, c'est Hadassah. And his true name is Hadassah. Un nom à sept lettres. A name with seven letters. Esther, c'est l'époux du septième âge. Esther is the bride of the seventh age. Regardez l'histoire de ta vie. Now look at the story of your life over there. Ça, c'est l'histoire de ta vie. This is your life story. Le roi Assyrus. The king Assyrus. Qu'on appelait Xerxes. Which was called Xerxes. Est le type de Jésus-Christ. Is the type of Jesus Christ. Le roi des rois. King of kings. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et la reine Vashi. And the queen Vashi. Sa première femme. Her first church. Her first wife. The first wife of Assyrus. Une femme, c'est l'église. A wife is the church. Vashi, c'est le type de l'église catholique. Vashi is the type of the Catholic church. C'est la première église chrétienne. That's the first Christian church. Vashi, c'est le catholique appointé avec ses filles. Vashi is the Catholic church with his daughters. Ses filles sont les protestants. The protestants are his daughters. If you believe it, say amen. Les Kimbangistes. Les Pentecôtistes. Pentecôtistes. Les Methodistes. Methodists. Oui, ils sont la yes, femme du roi. They are the queen, the wife of the king. Pendant que je prêche ici, Jésus est roi des rois. As I'm preaching now, Jesus the king of kings.
Ils sont l'église de Jésus. They are the church of Jesus. Mais il y a un problème avec eux. But there is a problem now with them. Le roi Jésus a organisé une fête de 7 jours. Now, the King Jesus organized a party of 7 days. La Bible dit Assyrus organisa une fête de 7 jours. Now, the Bible says Assyrus organized a party of 7 days. Les 7 jours de fête de Jésus sont les 7 âges de l'église. The 7 feasts of the party of Jesus are the 7 church ages. Où on va fêter dans la parole. Where we will feast in the word. Et Assyrus avait 7 sages. And Assyrus has 7 wise men. Nous voyons Jésus dans Apocalypse, il a 7 messagers. And we see Jesus in Revelation in the word. À l'invitation à la fête. To the invitation or to the feast. Les églises pentecôtistes. Pentecôtist church. Méthodistes. Methodist. Catholic. Catholic. Ont refusé la grande invitation. They refused the greater invitation. Du roi des rois. Of the King of Kings. Oh, est-ce que vous êtes là? Are you here? Qui est descendu de la nuée? That descended in the cloud. Le roi, qu'est-ce qu'il va faire? What will the kings do? Il a appelé tous les sages. He called all the wise men. C'est pourquoi dans la nuée tous les 7 sont venus. That's why in the cloud all the 7 came. Et avec le roi. And with the king. Ça c'est la réunion. That is the meeting. Le roi avec tous les 7 sages. The king had all the 7 wise men. Qu'est-ce que la nuée? What is the cloud? C'est pas Jésus seul. It's not Jesus alone. Jésus avec les 7 anges. Jesus with the 7 angels. Oh, mais si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Qu'est-ce que je vais faire? What will I do? Parmi les 7 messagers. From the 7 messengers. La Bible dit c'est Memucan. The Bible says it's Memucan. Qui dit oh roi. That says oh king. Vis éternellement. Live forever and ever. Il faut que tu prennes la décision de répudier Vashti. You must take a decision to send away Vashti. Quel est le ministère de Frère Branham? What is Frère Branham's ministry? Dans Apocalypse. In Revelation. Il crie elle est tombée, elle est tombée. He shouted, he said she has fallen, she has fallen. Babylon est la grande. Babylon the great. Elle est répudiée de la présence de Dieu. She's been sent out from the presence of God. C'est quoi j'aimerais vous informer. That's what I want to inform you. Tous les messagers. That all messengers. C'est Memucan qui a eu la décision du mariage. It's Memucan that had a decision for marriage. C'est quoi de tous les messagers. That's from all the messengers. Ainsi dit le that said the Lord de mariage et divorce, of marriage and divorce. Dieu le donna à Branham. God gave it to Branham. Et là-dessus, and upon that, même vous les sœurs, even you sisters, Branham dit, ainsi dit le Seigneur. Branham says, that said the Lord. Comme le roi avait refusé Vashti, has the king refused Vashti, et épousa Esther, and got married to Esther, il dit, un homme, he says, a man peut répudier sa femme, can send away his wife et en épouser un autre. And marry another one. C'est l'ainsi dit le Seigneur. That is a that said the Lord. Je vais entendre un grand amen. On a hear a big amen. Mais une femme, but a woman, ne peut pas répudier son mari. A woman cannot send away a husband et se remarier and get married again. No. No. C'est Memucan qui parle. It's Memucan speaking. Et la décision de Memucan, and the decision of Memucan, on dit les lettres ont été écrites. They said letters were written. Pour envoyer au commissaire. To send to the commissioners. Les lettres du roi. The letters of the king. Qui ont été écrites that was written par l'inspiration de Memucan. By inspiration of Memucan. C'est le message de l'heure. Is the message of the hour. Ce sont les brochures. These are the brochures. Ce sont les bounds. These are the tapes. Nous lisons les lettres du roi. We are reading the letters of the king. Le message c'est pas seulement le message de Branham. The message not just the message of Branham. C'est le message de Jésus-Christ. Is the message of Jesus Christ. Envoyé au travers de Branham. Sent through Branham. C'est quoi nous bénissons la voix de That's Dieu. That's how we bless the voice of God. Qui nous envoie les lettres. That send us letters. Les lettres sont those letters, where are they sent? Au commissaire. To the commissioner or governors. Au commissaire. To the governors. Un commissaire est mis par l'ordre du roi. The governor is placed by the order of the king. Un commissaire n'est pas un diacre. A governor is not a deacon. Un diacre est voté par l'église. A deacon is voted by the church. Mais un commissaire, but a governor, c'est le roi qui l'a choisi. Is the king that has chosen him. Un ministère, a ministry, ce n'est pas les hommes qui lui donnent. It's not men that chooses him. Un vrai Ephésien 4, a true Ephesian 4, c'est Jésus qui l'a choisi. Is Jesus that has chosen him. Et le message arrive chez lui. And the message arrives to him. Observez ici, continuons, voyez-vous. Now let us carry on here. Les types ne trompent pas. Types do not deceive. Esther est le type de l'épouse. Esther is the type of the bride. Ça, c'est dans la première partie. That is the first part. Dans la deuxième partie de l'histoire. In the second part of history. Assyrus qui exerce. Assyrus, that is the sixth. Il est le type de Jésus-Christ. Is the type of Jesus Christ. Qui peut dire amen? We can say amen. Mardoché. Mordecai. Qui conseille Esther. That advises Esther. Le mot Mardoché en hébreu veut dire un petit homme chauve. And with the word Mordecai, it means a little short, bald man. Consacré à l'Éternel. Consecrated to the Lord. Qui est le Mardoché d'aujourd'hui? Who is the Mordecai of today?
Dieu nous a envoyé Mardoché. God has sent us Mordecai. Un petit homme. A short man. Frère Branham n'était pas grand. Frère Branham wasn't at all. Chauve. Balded. Mais Dieu l'a consacré à lui. But God consecrated it unto him. C'est lui qui conseille l'épouse. He advises the bride. Branham n'est pas l'époux de l'église. Frère Branham is not the bridegroom of the church. Mais il est le conseiller de l'église. But he is the advisor. Et Esther, c'est toi l'épouse. And Esther, it's you, the bride. Amane, qui Haman. Est le type du conseil écuménique d'Église d'Apocalypse 13. Haman is a type of ecumenical councils of churches, which is Revelation 13, enemy of the church. Oh. Now you must know today, l'ennemi de l'épouse, the enemy of the bride, qui se prépare pour détruire l'épouse, that is making herself ready to destroy c'est the bride. Conseil écuménique de l'Église. It is the ecumenical councils of churches. Et Haman a été pendu au bois. And Haman was hanged on the wood. Le même bois que lui-même avait préparé contre Mardoché. The same wood that he placed for Mordecai. Comme je vous ai dit là. Now, as I told you, il faut pas méditer le mal contre quelqu'un. You must not say evil for about somebody. Je vais entendre un grand amen. I want to hear a big amen. Ça va se retourner contre toi. It will turn back against you. L'Église catholique se détruira par la bombe. The Catholic Church will destroy herself et by the bomb. Et tous les conseils écuméniques. And all the ecumenical councils. Le mal qu'ils voulaient faire à l'épouse. The evil that they wanted to do to the bride. L'épouse sera dans l'enlèvement. The bride will be in the rapture. Et ma prédication encore and ici. My preaching again here. Ça dit ce matin. Meaning this morning. Tout celui qui veut le mal d'amène tabernacle. Anyone that wants any harm to aim a tabernacle. Aujourd'hui leur délai est fini. Today the delay is elapsed. Le même bois. The same wood. Qui prépare. That they are preparing. Le même complot. The same plot. Qui prépare. That they are preparing. Contre cette église. Against this church. Ça les détruira eux-mêmes. It will destroy themselves. Pas seulement l'église. Not only the church. Même ce matin. Even this morning. Je prononce ça sur toi. I pronounce it upon you. Tout le mal, all the evil, que le diable, that the devil, les membres de famille, the members of family, les sorciers, witches, les jaloux, jealous, prépare contre toi, has prepared against you. Ils seront détruits eux-mêmes. They will be destroyed by themselves. Mais si tu crois, dit amen à cela. If you believe, say amen this morning. Vous voyez, you see, et ils voulaient le détruire le 13e jour. And they wanted to destroy him the 13th day. 13, c'est le nombre de la trahison. 13 is the man number of mais treasure. Quand ils ont été détruits now, when they wanted to destroy themselves. La Bible dit, il y a eu la fête de Pyrim. The Bible says there was the feast of Purim. La fête de Pyrim, la Bible dit, c'est au 14e jour. The feast of Purim, you find at the 14th day. Un type de l'ouverture des seaux. A type of the opening of the seal. Après les sept ans juifs. After the seven Jewish age. Sept ans des nations. Seven Gentiles age. Dieu vient dans le 14e jour. God comes on the 14th day. Avec l'agneau du 14e with the lamb of the 14th day. Pour ouvrir les sept seaux. To open the seven seals. Par l'agneau à sept cornes. By the lamb of seven horns. L'agneau du 14e jour. The lamb of the 14th day. L'épouse est dans la fête de la victoire. And the bride is in the feast of victory. La fête de Pyrim. The feast of Purim. La fête de la victoire. The feast of victory. Parce que c'est l'ouverture des seaux. Because the opening of the seal. Là où Jésus a vaincu Satan. Where Jesus overcame Satan. Et il a remis l'autorité à l'épouse. And he gave back the authority upon the bride. C'est la fête de Pyrim. It's the feast of Purim. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Et dans la fête de Pyrim. And the feast of Purim. La Bible dit. The Bible says. Ils s'envoyaient des dons. They were sending each other gifts. Après l'ouverture des seaux, after the opening of seals, tu ne peux pas être à l'église, you cannot be in the church, improductif, and you are not producing anything. Comme j'étais dur le mercredi, as I was hard on Friday, tu ne produis rien, you don't produce anything. Dans la fête de Purim, in the feast of Purim, moi je t'envoie un don, I send you a gift, toi tu m'envoies un don, you send me a gift. Chacun produit quelque chose, each one produces something. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? À la fête de Purim, at the feast of Purim. Il n'y a pas de gens improductifs. There are no people that are unproductive. Alors, then, après cette fête-là remarquée, after the feast, now notice, quand vous lisez dans la Bible, when you read in the Bible, allez étudier ça à la maison. Go and study this at home. Les 10 enfants d'Aman, the 10 children of Aman, étaient déjà tués dans Esther 9, 6 à 10. They were already killed in Esther 9, 6 and 10 to 10. Ils sont morts. They are dead. Mais Esther, but now Esther demand encore, requested again que je veux que demain, that I want tomorrow que le fils d'Aman soit mort. That the tension of Aman being la killed. Deuxième demande, the second request de pendre encore le fils d'Aman, of hanging up again the children of Aman, the tension of Aman. Mystère caché. It was a hidden mystery. Un incrédule pensera que la Bible a commis une erreur. An unbeliever will think that the Bible made a mistake. Que la Bible s'est répétée. That the Bible repeat itself. La Bible c'est Dieu. The Bible is God. Sous forme de la parole. In the form of the word.
Quand Esther a demandé ça, when Esther asked for this, on n'a pas tué les enfants d'Aman encore. The children of Aman were not killed again. Ils n'avaient pas 20. They did not have 20. Aman qu'est-ce never had 20 s'est children. Passé? What happened? 2300 ans après Esther. 2300 years after Esther. Hitler avec les Allemands. Hitler with Germans. A décidé comme Aman. Decided like Haman. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. People die, but spirit do not die. Branham dit 200 000 démons sont entrés dans Hitler. The prophet says 200,000 demons anointed Hitler. Pour tuer les Juifs. To kill the Jewish. Les exterminer. To finish off them. To finish them off. Et il a commencé à le faire dans la Deuxième Guerre mondiale. And he started to do it in the Second World War. Qui est le deuxième mal. Which is the second who? Le mal qui voulait détruire Israël. The evil that he wanted to destroy Israel with. S'est retourné contre lui-même. Turned against himself. Les Russes l'ont détruit. The Russians destroyed him. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Les Russes l'ont détruit. The Russians destroyed him. Et les Alliés ont arrêté ses ministres. And they arrested his ministers. Qui sont les types de ses fils? Which is the type of his sons? Observez ça dans le jugement de Nuremberg, il y a les intellectuels ici. Now, in the judgment of Nuremberg, if you remember that, the intellectual ones. Quand on les a arrêtés, ils étaient un nombre de 24 accusés. When they were arrested, there were 24 accused. Et 12 ont été condamnés à mort. And 12 were condemned to death. Quand ils ont été condamnés, when they were condemned, un a fui. One ran away. Un a pris le poison afin de mourir. One drank poison and killed himself. Sont restés au nombre de 10. And they remain exactly 10. Oh! What? La loi militaire. The military law. On exécute les gens par l'arme. People need to be executed with a gun. Mais pourquoi ici? But how come here? Le juge. The judge. A dit pas question de l'exécuter par l'arme. Say, there is nothing like you're not going to shoot them mais to death. Mais il faut une pendaison. But you need to hang them. La Bible est merveilleuse. The Bible is wonderful. Regardez que chaque fois qu'Esther disait dans la Bible, roi look, Assyrus. Each time Esther was saying in the Bible to King Assyrus. Là, il s'agissait du roi Assyrus. There, it was the King Assyrus. Mais quand Esther dit, oh roi. But now, when Esther said, oh king. Sans citer Assyrus. Without saying Assyrus. Esther ne s'adressait pas au roi Assyrus. Esther was not referring or speaking to the king Assyrus. Mais il s'adressait au roi des rois. But was speaking to the king of kings. Qui est l'éternel des armées. Which is the Lord of armies. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. The Jehovah of the Old Testament. Qui est Jésus-Christ. Which is Jesus Christ. Qui peut dire amen? Who can say amen? Vous devez retenir ça. You must keep this in mind. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé les mystères? What happened on the mystery here? Esther 9:13. Esther 9:13. Esther dit au roi. Esther said to the king. Que je vais encore demain. I want again that tomorrow. Que les 10 fils soient exécutés. That the 10 children should be executed. Alors qu'ils étaient déjà exécutés. While they already executed. Le terme. The word. Demain. Tomorrow. Là, used there. Mahar. In Hebrew. Mean mahar. Ne veut pas dire demain de demain tomorrow. It does not mean the tomorrow of tomorrow. Mais c'est un futur éloigné. But it's a furthered future. Quand on dit amar en hébreu. When they said amar in Hebrew, ce n'est pas demain de 24 heures. In Hebrew, it's not the tomorrow of the 24 hours. Mahar, c'est demain de éloigné. But it's a furthered tomorrow. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. La demande d'Esther adressée now, au roi. The request of Esther to the king. Pour pendre encore les 10 fils d'Aman dans le futur. To hang again the children of the 10 children of Aman in the future. N'est pas applicable le lendemain. It's not applied on the tomorrow. Parce que la Bible on n'a pas vu là où il y a un exemple. In the Bible it's not written there. Mais un jour dans l'avenir. But in the upcoming day. Observez, Esther était une juive. Now observe that Esther was a Jewish. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Remarquez le mystère, le nom des 10 fils d'Aman, allez lire ça. The name of the children, the 10 children of Aman. On les a cités dans la Bible. It was mentioned in the Bible. Le premier fils s'appelait Parshandana. The first one was called, is called Parshandana. Le deuxième Dalpon. The second one. Le troisième Aspata. The third Aspata. Le quatrième Porata. The third, the le fourth, it's Porata. The fifth, Adalia. Le sixième Aridata. The sixth, Aridata. Le septième Parmashata. The seventh, Parmashata. Le huitième Arizai. The eighth, Arizai. Le neuvième, Aridai. The ninth, Aridai. Et le dixième, Vajezata.
The tenth one is Vajezata. Or la Bible originale, c'est en hébreu. Wow. The original Bible is in Hebrew. Avançons avec moi. Let us move on together. Observez premièrement, vous devez savoir une chose. Look now, first of all, you want you to la notice Bible something. La Bible dit que Haman était Haman la Gagite. Now, the Bible says, Haman was Haman the Gagite. Les gens, les Agagites viennent d'une tribu des Amalek. The Agagithi coming from the Amalek tribe. Or la nation allemande qu'on appelle Germanie ou Germania. The Germany, the German nation. Sont les descendants des Amalek. Are actually the outcoming of the Amalek. C'est là où Agagite était venu. That's where Agagite came out from. Vous voyez que Haman et l'Agagite. Now, you see that Haman, the Agagite. Dans le futur, c'est l'Allemagne. In the future, becomes the German. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Et dans le mystère des noms des 10 fils là. And in the mystery of the name of the 10 children. Je vous avais enseigné l'alphabet hébreu ici. I once taught you here on the Hebrew alphabet. L'alphabet de Dieu. The God's alphabet. Le premier fils par Shadata. The first child par Shadata. Son nom en hébreu et les attributs des lettres utilisés c'est Tav. His Hebrew name and the word that was used means Tav. Le septième fils par Mashata. And the seventh child par Mashta. Les lettres hébreux utilisées pour écrire son nom c'est Shine. In Hebrew's words used to mean what it is name means it's shine. Le dixième fils Vajezata. The tenth child Vajezata. L'alphabet le chiffre hébreu utilisé c'est Zayin. The Hebrew meaning give Zayin. Or, je vous avais enseigné ça il y a longtemps. While I taught you a long time ago, les chiffres hébreux, the Hebrew word, correspond aux chiffres, correspond to numbers, selon la manière dont Dieu leur avait donné ça, according to the way God gave it to them. Et remarquez que dans les dernières lettres de la dernière now, personne, le deuxième fils, last name of the last child of the tenth child, c'est écrit aussi par la lettre hébreu vav. It's also written in Hebrew vav. Maintenant, il y a trois petites lettres. Now there are three little letters. Tav en hébreu. Tav in English. In Hebrew. Z de chez nous. It's actually Z to us in Tav English. Tav correspond au chiffre 400. Now, Tav stands for 400 number. On va décoder la Bible. We're going to lose up in the Bible. Shine en hébreu c'est 300. Shine in Hebrew means 300. Zayin en hébreu c'est 7. Zayin is referring is 7. Nous aurons 400 plus 300 plus 7, ça fait 7. We're going to have 400 plus 300, which plus 7, it's going to give 707. Vav le plus gros. Now, Vav the biggest. C'est 6. It's 6. Or, 6, quand en hébreu c'est le plus gros. Now, 6 in Hebrew, when is the biggest? Ils appellent ça 6e millénaire. They call it 6th millenary. Nous obtenons quoi là? Now, what are we having there? Caché dans la Bible. Hidden in the Bible. L'année 707. The year 707. Du sixième millénaire. Of the sixth millennium. Or 707 du sixième millénaire. Now, 707 of Hebrews. C'est 5707. It gives us 5,707. Or 5,707 de l'année hébreu. 5,707 of the Hebrews year, du calendrier hébreu, of the Hebrew calendar, correspond exactement, correspond exactly, de 1946, of 1946, dans notre calendrier des païens, of our calendar of the Gentiles. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Avançons. Let us move forward. Maintenant, vous remarquerez que dans le procès de Nuremberg, now you notice that in the trial of Nuremberg. C'est exactement en 1946. Took place exactly in 1946. Il y a eu 24 accusés. There were actually 24 accused. On a condamné 12 condamnés à mort. 12 were condemned to death. Mais seulement 10 sont exécutés. But par only la pendaison. 10 were executed by c'était by hanging. La nuit du 6 octobre 1946. It was the night of the 6th of October of 1946. Or la nuit là, c'était la nuit de Shasharaba. While that night was now, it was the night of Hashanaraba. C'est une fête juive. It's a Jewish feast. De leur libération. Of their freedom. Alors quand on les amenait pour les pendre, when they bring brought now to be hanged, Martin Bormann a parvenu à s'échapper. Now, Martin Bormann actually ran away. Hermann Göring, quelques minutes avant d'aller les pendre, il se suicida. On lui a amené une capsule de cyanure, il a bu ça, il s'est suicidé. Now, Hermann Göring actually committed suicide. Ils sont restés au nombre de 10. And they remained 10. 10 fils d'Hitler. 10 children of Hitler. Le premier son nom c'est Hans Frank.
The first one was Hank Frank. The second one was William Frick. The third Alfred John. Ernest Carter Brown. The fourth one was Ernest. William Keitel. The fifth one was William Keitel. Joachim von Ribbentrop. The sixth one is Joachim von Ribbentrop. Septième Alfred Rosenberg. The seventh was Alfred Rosenberg. Huitième Fritz Sokel. The eighth Fritz Sokel. Arthur Seib. The ninth Arthur Sellon in Christ. And the tenth was Julius Strachan. Observez, continue. Now, let us observe le and carry on. Sergent américain. Now, this American surgeon qu'on avait choisi pour être le bourreau that was chosen has to be the toughest de leur pendaison of the one who was supposed to the hanger man. Ce qui est mystérieux. The mysterious part of that. Son nom était le sergent Wood. His name was Sergeant Wood. Or le nom Wood en anglais. The name Wood in English. Ça veut dire bois. Means wood. There's a wood in English. Est-ce que vous êtes là? Are you here? Bon, que les vautours se taisent. Now let the vulture keep quiet. Mais que les aigles disent grand. Let the eagle say big amen. Remarquez, frère Branham. Now notice what I'm saying something. Le nom ont de l'influence. Name has got influences. Aman était pendu par quoi? What was Aman hanged with? La Bible dit par les bois. The Bible says by wood. Ses fils se pendu par quoi? What a student would hang by? Par les bois. By wood. Le sergent qui les amène the à la pendaison. The sergeant that go to hang them. Son nom c'est Wood. His name also is Wood. Qui signifie bois? Which means also wood. Tous les neuf sont partis avec honneur. Now all the nine went with honor. On les a pendu. They went to hang. On les a pendu. They were hanged. Arrivé au dixième. But when they arrived at the tenth. Stretcher. Il a commencé à bouder. He did not want. On le prend par la force. They took him by force. Quand il arrive là, when he arrived there, on le fait monter pour le pendre. They put him up there to hang him. Regardez d'abord. Now look first of all. La loi militaire, quand un militaire qu'on le tue par l'arme, pas the military law is that a military should be killed by a gun. Mais le juge a violé même la loi. But the judge now violated the law. Quand Dieu veut accomplir sa parole, when God wants to fulfill his word, il va imposer tout. He will impose everything. Parce que notre Dieu est le maître du monde entier. Because our God is the master of the whole world. Oh, je vais entendre quoi dire, amen. And I believe I can say big amen. Et quand on l'amène à la potence, when he was being brought to the hanging place, avant de le mettre la corde, before they put him the lean, par le sergent Wood, by the sergeant Wood, lui-même a crié. He shouted himself. Pirim 1946. It says Pirim 1946. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi il a dit. Everyone did not understand why he said that. C'est un Allemand. He's a German. Il n'était pas chrétien. He wasn't a Christian. Comment il connaît Pirim? How does he know Pirim? Or la fête de Pirim. Why the feast of Pirim? La Bible parle dans Esther. The Bible speaks about it in Esther. C'est la fête quand les enfants d'Aman étaient morts. It was the feast when the children of Aman were killed. Et Aman est mort. And Aman also died. C'était la victoire des Juifs. It was the victory of the Jews. Mais lui-même a dit. Now he himself said. Pirim 1946. Vous voyez que la Bible est merveilleuse. You see that the Bible is so wonderful. La Bible c'est Dieu. The Bible is God. La Bible est inspirée. The Bible is inspired. Ce qu'Esther a fait demander. What Esther requested over there. Les 10 filles d'Aman sont déjà morts. She asked, she said, the 10 king of children of Aman had died already. Oh roi. But she said, oh king. Je vais encore demain. But I want again that tomorrow. De tuer encore les 10 fils. To kill again the 10 children. Esther parlait de 1946. Esther was speaking about 1946. Un autre Aman se levait. When another Haman rise pour tuer les Juifs, to kill the Jewish, la même chose se répétera. The same thing will happen again. C'est pourquoi je suis ici pour vous dire. That's why I'm here to tell you. Dans les mêmes années 1946, in the same year of 1946, Israël est devenu une nation. Israel became a nation. Le mal que l'Allemagne voulait par Hitler, the evil that Germany wanted through Hitler, Hitler est mort, Hitler died, mais Israël, but Israel est devenu une nation. Became a nation. La même année là, the same year, Israël est spirituel, the spiritual Israel, en 1946, in 1946, qui est William Branham? Who's William Branham? L'ange le visite. The angel visits him, et lui donne la commission, and gives him the commission, pour tuer aussi Aman, to kill also Aman. Le cancer. The cancer. Il dit, si tu amènes les gens à tes croix, he says if you bring people to believe in you, rien ne résistera, nothing will withstand your prayer. Même pas le cancer. Not even cancer. Est-ce que vous croyez la commission? Do you believe the commission? Oui, mes frères. Yes, sir. Et regardez. Now look. Nous sommes ici, amen. We are here in amen. 71 ans après 46. 71 years after 46. En train de reconstruire, amen. Rebuilding, amen.
Mais il y a beaucoup d'Aman. But there are many Aman. Dans cette ville. In this city. Qui veulent notre malheur. That want our miseries. J'aimerais vous dire une chose. Now, I want to tell you something. Frère Branham dit. Frère Branham says. L'histoire ne fait que se répéter. History only repeats itself. C'est pourquoi ce matin je dis aussi à l'église. That's why this morning I'm also telling the church. Je dis à Esther. I'm telling Esther. Si tu es Esther, je if you are Esther, I'm speaking to you. Je dis à la femme d'Assyrus. I'm telling to the wife of Assyrus. Je dis à la femme du roi Jésus. I'm speaking to the bride of the Lord Jesus Christ. Tous ceux qui veulent ton mal. All those that want evil from you. Dans cette dixième folie. In this tenth volume. Tous les amans. All the amans. Tous les amans de all the amans of my life. Allez dire à tout le monde. Go and tell all everyone. Tous les amans all the amans of Zakola. Oui, les amans de yes, the amans of Zakola. Qui veulent le mal à ma vie. That want evil in my life. Qui voulait brûler ma voiture. That wanted to burn my car. Qui veulent détruire, amen. That want to destroy, amen. Pas seulement mes amans. Not only my amans. Tous les amans de ta all the amans of your life. Que ce soit les sorciers. Let it be witches. I don't care. Je m'en fous. Tous ceux qui amans. All those that are amans. Qui veulent ton malheur. That want your misery. La même prière. The same prayer. Ils seront pendus. They will be hanged. Ils seront détruits. They will be destroyed. Dans les mêmes bois. In the same woods. Qui complote contre that complot against you. Et toi ici. And you here. Tu seras Israël. You'll be Israel. You'll be Esther. Salut ton frère. You greet the person next to you. Ça. Tell the person next to you. Je te souhaite. Tell them, I wish you a man. All the aman of your life. Sont des trucs. They are destroyed. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Oh, j'ai pas entendu un amen. I never heard an amen here. Est-ce que j'ai pas entendu un amen? Can I hear amen? Même la pauvreté. Even poverty. C'est un aman. Is it a man? Oui. Yes. Même la pauvreté, even poverty, c'est un aman. He wants evil in your life. La pauvreté, poverty, va se pendre lui. Will hang itself. Je proclame la pendaison. I proclaim hanging. Parce que je suis dans le jugement. Because I'm in a judgment. Frère Branham dit, Frère Branham says, le jugement, judgment, commence, begins, dans la maison de in the house of the Lord. Qui peut dire amen? Who can say amen? Et le juge est là. And the judge is here. C'est un nouveau Nuremberg. It's a new Nuremberg. Et tous les amans. And all the amans. De toute ma vie. Of all my life. Depuis 2002. From 2002. Quand j'avais piétiné. When I stepped into here. So aujourd'hui. It's today. Notez la date d'aujourd'hui. Right to this date. One by one. Un à un. Ils seront pendus. They will hang themselves. Les mêmes malédictions. The same curse. Les mêmes malheurs. The same misery. Les mêmes problèmes. The same problems. Qui veulent que cela that they want to happen to me. Today. Je retourne. I send it back. Et je proclame. And I proclaim. La victoire. Victory. Pour toi Esther. For you Esther. Mais c'est que je te conseille. And that's what I'm advising you. Sois Esther. Be Esther. Mets ta robe. Put your garment. Reconnais que tu es l'épouse. Recognize that you are the bride. Et va vers le roi. And go toward the king. Même s'il s'agit de me tuer. Even if he's about to kill me. Je vais vers lui. I'm going toward the king. Et le roi des rois. And the king of kings. Te donnera le sceptre. Will give you the scepter. Est-ce que tu es sûr, frère Zakola? Are you here, brother Zakola? Oui. Yes, I'm sure. Frère Branham. What, brother Branham? Est-ce que c'est ma mort? Said, is it my death? Si je vais mourir. If I'm about to die. Je m'en vais là-bas. I'm going nevertheless. Il est parti à Tucson. He went to Tucson. Il s'agissait de sa mort. It was about his death. Si je vais mourir. He said, I'm gonna die. Quand le roi Jésus a when the king Jesus appeared. Sabino Canyon, in Sabino Canyon, le paix, the sword, dans la main de Branham, and the hand of Branham. Et il a dit à Branham, and he said to Branham, c'est le troisième pool. It's the third pool. Qu'est-ce que le troisième pool? What is the third pool? Demandez tout ce que tu veux. Ask whatever you want. Qu'est-ce qu'Assyrus a dit? What did Assyrus say to Esther? Demande tout ask ce que all tu that you want. Même si c'est la moitié even de mon if it's half of my kingdom, je te le donne. I will give it to you. Aujourd'hui, today, demande ce que tu veux. Ask whatever you want. Je veux que pendant que je prêche, even as I'm preaching now, pronounce whatever you want. Just speak it out. Whatever you want. Even if it's half of the kingdom of Jesus. Pronounce the word. And I pronounce that it will be given unto you in Jesus Christ's name. Let us give hands of praise unto the Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pourquoi j'en parle? Why am I speaking about it? Pourquoi je dois en parler? Why should I speak about it? Alors que c'est le deuxième volume. What is the tenth volume? Parce que c'est Assyrus. Because it's Assyrus. Qui a mis au monde son fils. That begotten his child. Et c'est ce fils-là. And it's his sons. Qui va signer. That will sign. Le décret. The degree. De la sortie d'Israël. Of the outcome, the outgoing of Israel. On ne peut pas parler de cette semaine. We cannot speak about 7 weeks. Et oublier Esther. And forget about Esther. Combien ont aimé ça? How many loved it?
Observez Assyrus. Now observe that Assyrus. Son nom c'est aussi Xerxes. His name also is Xerxes. Quand ils sont partis en captivité. When they went to captivity. Les Juifs ils étaient au nombre de 11,000 ou 18,000. The Jewish were about 11 to 12 or 18,000. 606. 606. Dans les trois déportations. In the three deportations. Ils étaient plus ou moins 18,000. They were more or less 18,000. Quand ils veulent retourner. When they wanted to return, ils sont retournés au nombre de 40,000. They returned in the number of 40,000. Les autres sont morts, les anciens là. Others died, all et the les ones, enfants qui étaient nés. And the children that were born. Et ils devaient retourner. And they had to return back. C'est au temps du deuxième royaume. It's in the time of the second kingdom. Après la mort d'Assyrus. After the death of Assyrus. Remarquez quand nous parlons de 70 semaines. Now notice when we speak about the 70 weeks. Dieu le révèle au deuxième royaume. Là. God revealing it now in the second kingdom. Et les 70 semaines de Daniel, and the 70 weeks of Daniel sont divisés are divided en trois parties. Into three parts. Il y a premièrement 7 semaines. First of all, there is 7 weeks. Gabriel a dit à Daniel, on a lu. Gabriel said to Daniel, we read it. Depuis la promulgation de la reconstruction, from the restoration of the reconstruction, il y aura 7 semaines. There will be 7 weeks. Oh, dit amen. Say amen. Et jusqu'à loin, up until the Messiah, il y aura encore 62 semaines. There will be 62 weeks. Ce qui fait 69 semaines. Which makes it 69 weeks. Et loin sera retranché. And the anointed will be cut off. Et quand il sera retranché, and when he will be cut off, un prince est venu de loin. A prince will come from afar. Viendra détruire le temple. Will come to demolish the temple. Maintenant, restons au tableau ici. Now, let us remain now in the picture. Je voulais que ça soit au tableau pour que vous saisissiez. I want it to be there so that you can catch it. Les 70 semaines sont divisées en trois périodes. The 70 weeks are divided into three periods. Chaque fois quand je parle, répondez amen pour que je sache que vous avez compris. Each time when I'm speaking, say amen so that I can know that you understood. Il y a premièrement 7 semaines. There is first of all 7 weeks. La promulgation de la reconstruction. The restoration of the reconstruction. La promulgation, c'est quand ils annoncent. It's like the announcement. L'annonce ou la signature. The announcement ou le décret. Or the decree. De la reconstruction of the reconstruction of the temple. C'est ce que de Jérusalem. Of Jerusalem. C'est ce que nous allons voir. That's what we're going to see. Et il y a 62 semaines. And there is 62 weeks. Depuis la reconstruction du temple. From the reconstruction of the temple. Jusqu'à loin. Up until the anointed, the Messiah. Messie. The Messiah, Jésus Christ, Jesus Christ, loin, the anointed, le Shiloh, the Shiloh. Daniel a dit que Daniel said, il y aura 62 semaines. There will be 72 weeks, 62 weeks. Ça fait 69. It makes it now 69. 7 semaines plus 62. 7 weeks plus 62. Et il y aura troisième partie, c'est une semaine. And the third part is 1 week. Quand loin sera venu, when the anointed will come. Ça restera seulement une semaine. It will remain only 1 week. Quand vous faites 7 semaines, now when you do 7 weeks, plus 62 semaines, plus 62 weeks, ça fait 69 semaines. It makes it 69 weeks. Vous dites amen? You say amen? 62 semaines, 62 plus une weeks, semaine, plus 1 week, ça fait exactement 70 semaines. If you add them all together, 7 weeks plus 62 weeks plus 1 week, it makes it 70 weeks. Si vous avez compris, dites if you understood, say amen. Dites un grand amen. Say big amen. Maintenant. Now. Écoutez ce que Frère Branham dit. Listen to what the Frère Branham says. Il dit ceci. He says this. Dans la prédication 60. In the preaching. 70 semaines. 70 weeks. Prenons le paragraphe 61. Take paragraph 61. Écoutez les saints prophètes qui devaient révéler ça. Listen to the holy prophet revealing this. Il dit ceci. He says this. Bon, continuons d'abord, on va lire ça même après. Continuons. Let's carry on. We'll read mais je vous donne le paragraphe pour les frères qui vont suivre. There is a paragraph for the brother to watch them. Maintenant, la question qu'on se pose. Now the question we ask ourselves. Gabriel a dit 70 semaines. Gabriel said 70 weeks. C'était codé. It was in a code form. Tous les prophètes. All the prophets. Après Daniel, after Daniel, et les apôtres, and apostles, et les messagers, and the messengers, ont voulu décoder ça. They wanted to open or unlock it. Ils n'ont pas pu. They couldn't.
Tu veux entendre un grand amen? I want to hear a big amen. Pourquoi? Why? Parce que Dieu, because God avait déjà dit à Daniel, had said to Daniel already. Nous avons étudié ça dans le cinquième but. We read it in the, we studied it in the fifth purpose. Que scelle ça. Seal it up. C'est seulement au temps de la fin. It's only at the end time. Que ce serait ouvert. That it will be loosened up. Quand le même ange qui avait dit à Daniel de sceller, when the same angel that said to Daniel to seal it up, qui était Christ, that is Christ, quand il descend à Apocalypse 10, when he descends in Revelation 10, avec un livre ouvert, with the open book, c'est là où il viendra de sceller ça. That one now will come and lose it up. C'est pas que les gens là étaient mauvais, c'est pourquoi ils n'ont pas compris. It's not that those people were bad, they could not understand it. Ils pouvaient être plus bons que nous. They would have been good more than us. Mais Dieu accomplit sa parole en son temps. God nevertheless fulfills his word in his time. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Même ce n'est pas Frère Branham qui le révèle. It's not even Brother Branham revealing this. C'est Dieu lui-même. It's God himself. Qui est descendu. That descended. Vous lirez Frère Branham. You read Brother Branham. Quand Dieu lui a dit commence à prêcher ça. When God told him start preaching it. Il dit ce que je commence, je ne connais pas. He says, while I'm talking about here, what I'm preaching here, I don't know it. D'abord, Branham était un primérien. Brother Branham only did his primary school. Comment il va décoder ces choses? How will he know the code of this, or uncode these things? Et la Bible est vraie. Bible is true. Dieu a caché God hid ces choses these things aux sages to the wise et aux intelligents and the prudent et a révélé and revealed aux humbles to the humble et à la personne choisie and to the chosen person le septième ange the seventh angel. C'est quoi, frères et sœurs? That's our brothers and sisters. Ne pas croire ce message. Not believing this message. C'est une grande malédiction dans la vie. It's a big curse in your life. I never heard a big amen. La plus grande malédiction dans la vie. The biggest curse in life. C'est de ne pas croire ce message. Is to not believe this message. Parce que c'est tout à fait vrai. Because it's completely true. D'un bout à l'autre, from frère. A corner to another corner is just true. Et cela montre. And it shows. Que ce n'est pas un homme qui nous that a parlé. It's not a man that spoke to us. Un homme. A man, même s'il a étudié, even if he has studied, même s'il est bon, no matter how good he is, ne peut pas avoir la précision. He cannot have such precision. Regardez. Look, listen here. Listen. Regardez, c'est merveilleux. Look how wonderful this pourquoi is. Je suis venu aujourd'hui avec beaucoup de joie. That's why I came with a lot of joy today. Si j'écris une lettre à Meda, if I write a letter to Meda, chérie, honey, je pense à toi. I think about you. La seule personne, the only person. Qui peut expliquer? That can explain. Qu'est-ce qui était dans ma mind? What was in my mind? Quand je dis je pense à toi. When I thought that I'm thinking about you. C'est moi-même. It's myself. Il peut dire non. Il voulait dire il pense quand il dit amen à l'église. No, he must say that. No, he's thinking of how he's saying amen in the church. Oh, il peut dire je pense à toi comme tu m'as donné trois beaux enfants. Someone can assume and say no. She can say that no. I'm thinking chacun of you because you give me three beautiful children. Veut. Anyone can say what they want. Peut-être que tout n'est pas 100% wrong. Perhaps all might not be 100% wrong. 50%. Perhaps 50%. Mais la personne. But the person. Qui peut dire. That can tell. Avec 100%. With 100%. Quand je disais je pense à toi. When I said I am thinking about you. Soit je pensais la nourriture. Maybe I'm thinking about food. Soit je pensais l'amour. Maybe I'm thinking of love. Il n'y a que moi seul. Only me alone. Je vais entendre un grand amen. All I hear big amen. La parole c'est Dieu. The word is God. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Personne ne peut interpréter la parole. No one can interpret the word. On va essayer. We will try. Pour donner la vraie interprétation. To give the true interpretation. Il faut que celui-là même. Only him alone. Qui avait écrit that wrote lui-même vient himself must come and place. Interpret his own word. Et laissez-moi vous dire and let me tell you this morning la colonne de feu the pillar of fire est venu pour la première fois came for the first time ah ouais, Moïse. Anointed Moses ça a écrit l'Ancien Testament. It wrote the Old Testament. C'est la vérité. Is it the truth? La même colonne de feu the same pillar of fire est venu pour la deuxième came for the second time ça a rencontré Paul and met Paul ça a écrit le Nouveau he wrote the New Testament. La même colonne the de feu same pillar of fire est revenu came back pour la troisième for fois the third time. C'est pour interpréter. But now, to interpret et l'ancien, the old et le Nouveau and the New Testament. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. C'est pour interpréter. It's to interpret même avant le even before the beginning. C'est pour interpréter it's to interpret toute chose. Everything.
That's the pillar of fire. Brother Branham sees. Ce n'est pas moi qui interprète. I'm not the one interpreting. C'est lui la colonne it's him, the pillar of fire. Il est son propre he is an own interpreter. That's what Branham preach. God. Est son propre God is his own interprète. Interpreter. Mon frère. Brethren. Arrachez-nous les maisons. Take houses. Arrachez-nous même les enfants. Take even children away from us. Arrachez-nous l'argent. Take out money away from us. Laissez-nous ce message. Leave us with this message. Tu vois, ce matin, j'ai dit, you know, this morning I said, la plus grande malédiction de ma vie, the greatest curse of my life, devait être de ne pas croire ce message. Should have been of not believing this message. Mais la plus grande bénédiction, but the greatest blessing, ma vie, of my life, c'est d'avoir cru ce message. Is to have believing this message. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. Je peux aller plus loin. Can I go further? Beaucoup aussi ont cru. Many also believed, mais ils ne comprennent pas. But don't understand. La plus grande bénédiction, the greatest blessing, de ma vie, of my life, c'est de comprendre ces is choses. To understand these things. Laissez-moi vous dire quelque chose. Let me tell you something. Église, church, peut-être je n'ai pas été meilleur dans vos vies. Perhaps I wasn't the best in your life. Oui, d'une manière ou d'une autre. Yes, in a way or another. Je vous ai déçu plusieurs fois. I disappointed you many times. Mais laissez-moi vous dire ce but mal. Let me tell you this morning. La plus grande bénédiction, the greatest blessing, de ma vie, of my life, dans vos vies, in your life, c'est de vous enseigner, is to teach you ces choses, these things. Je vais entendre un amen. Honor here, amen. Que signifie semaine? What is the meaning of this 1 week? Est-ce que c'est semaine des jours? Is it weeks of the days? Beaucoup ont calculé ça par les semaines des jours. Many calculated it with week of the days. Ils ont échoué. They failed. Dieu, God, un frère, a brother, est parti dans les encyclopédies. Went into il encyclopedias. A acheté beaucoup de documents. He bought a lot of documents. Tout un track. A big track. Il avait envoyé ça à Frère Branham. He sent it to Brother Branham. Frère Branham, moi, je connais pas lire beaucoup. Brother said, I don't know how to read much. Quand Dieu lui a dit d'enseigner, when God told him to read, to teach, Branham a commencé à beaucoup sonder. Brother Branham said searching a lot. Mais Dieu lui dit, c'est pas dans ça. But God told him he's not into that. Là, tu auras seulement des renseignements. There you only have some Dieu little things. Dieu lui-même est descendu dans les bureaux de Frère Branham. But God himself came into Brother Branham's office. Il lui a expliqué. And explained. Que signifie semaine? What is the meaning of weeks? Et quand tu mets ça dans la and parole, when you place it in a word, c'est exacte exactitude. Perfect. Cela est divisé en trois. It's divided into three. Comme Daniel le dit. Like David said, that Daniel said. Pour comprendre ça, to understand it, nous devons nous poser une question. Let us ask ourselves the question. Que vaut une semaine? What is the meaning of 1 week? Que signifie une semaine? What is the meaning of 1 week? Ramenez-moi d'abord le tableau de calendrier. Bring me back the picture of the calendars. Pour arriver là, to reach there, on va revenir ici. You must come back here. Allons d'abord dans le système de division du temps. Let us go first in the system of division of time. Aujourd'hui, nous sommes dans les tableaux là-bas, rapidement. Today we are in the picture quickly. Let us gain time. Parlons de la division du temps. Let us speak about the division of time. C'est-à-dire les approches. Meaning approaches. Ou estimation du temps. Estimation of time. À l'origine des calendriers. Of the origin of the calendar. Nous parlons ici du calendrier de Dieu. Because here we are speaking about God's calendar. Le mot calendrier veut dire par définition. What is the meaning of the word calendar by definition? C'est un système de division du temps. It's a system of division of time. Qui indique les jours. That indicates days. Les mois. Month. Les saisons. Season. De l'année. Of the year. Qui peut dire amen? We can say amen. Calendrier, c'est aussi un système de repérage. Now, the calendar is also a reference point. The date. Of dates, en fonction du temps, of function of time, et une référence pour organiser la vie agricole, or a reference to a reference unto to organize a daily day, a daily life, ou la vie sociale, or social life, ou la vie religieuse, or religious life, des sociétés, of society. C'est pourquoi le calendrier nous gère. The calendar manages us. Si aujourd'hui nous sommes ici, if we are here today, c'est à cause du calendrier. It's because of the calendar. Parce que le calendrier dit c'est le dimanche. Because the calendar said today it's a Sunday. Si aujourd'hui je dis que j'aurai 41 ans, if today I'm saying that I am 41 years, I'll be 41 years. Calendrier. It's because of a calendar. Le calendrier gère nos anniversaires. The calendar even manages our anniversaries. Ça nous gère en tout. It manages us in everything. Le calendrier nous montre ça c'est la saison des semences. The calendar shows that this is the harvest time. Ça c'est la saison des récoltes. This is the sowing time. This is the harvest time. C'est la division de temps. It's the division of time.
Si nous sommes aujourd'hui le 23, if today we are the 23rd, c'est le calendrier. It's the calendar. Qui peut dire un grand amen? Who can say amen? Comme te tenir de l'inclinaison de la terre. Now, looking up onto the fact that the world is bent. Suite au délit du temps de Noé. Since the flag in the time of Noah. Tous les calendriers sont plus ou moins erronés. Now, all the calendars now are erotic. Au temps de Noé. Now, in the time of Noah. Avant le déluge, before the flood, la terre était tout droit. Before the flood in the time of Noah, the world used to be straight. Qui peut dire amen? Who can say amen? L'homme par la science, men through science, il a rejeté Dieu, rejected God. Il a commencé l'agriculture. They started doing agriculture. Il a entré dans l'industrie. And they got into industry. De l'industrie, from industry, l'homme a atteint l'atomique. Men reached atomic. Au temps de Noé. In the time of Noah, ils avaient atteint l'informatique. They reached IT. Il y avait les grandes centrales en Égypte. There was a great the headquarter in Egypt. Et l'autre était en Alaska. And the other one was in Alaska. Ils faisaient les essais nucléaires. They were doing nuclear exchange. Ils ont colonisé les planètes. And they colonized the planet. Ils voyageaient jusqu'à Mars. They were traveling up until the planet Mars. C'était une civilisation évoluée. It was an advanced civilization. Ils ont rejeté les prophètes. They rejected the prophet. Et même themselves. Dans leur science. In their science. Un jour, one day, par erreur informatique, by an IT error, cela a bombardé. It exploded. Quand ça a explosé, when it exploded, la terre a quitté son orbite. Then the world moved out from its orbit. Là où la terre était sortie. Where? Et le sud là où il y a le froid. There was the hot and the cold came together. Et c'est ce qui a mené la pluie. And that's what brought the rain. La pluie s'était causée par une catastrophe nucléaire. The rain was a nuclear catastrophe. C'est why Jésus est Dieu. That's why Jesus is God. Jésus dit. Jesus said, quelqu'un dira que, frère, vous avez lu ça. A person can ask me and say, Pastor, where did you read what you are saying there? Ça est dans la Bible. It's in the Bible. Mais il faut un prophète. But you need a prophet. Jésus ne peut pas mentir. Jesus cannot lie. Croyez-vous à cela? Do you believe that? Jésus a dit, ce qui arriva. Jesus said, what had happened au temps de Noé, in the time of Noah arrivera, will happen au jour du fils de in the day of the Son of Man. Tout ce qui est aujourd'hui, all that is here today n'est pas nouveau. It's not new. C'est la répétition. It's only a repetition. Même Salomon a dit, even Solomon said, il y a rien de nouveau there is nothing new under the sun. Quand ils découvrent en Alaska, that's why when they discover in Alaska, ils ont vu qu'il y a des palmiers. They found that there are palm ils trees. Ont découvert même au Gabon. They discovered in Gabon. Ils ont découvert un central nucléaire. They discovered a nuclear center. Au temps de Noé. Of the time of Noah. Ils ne comprennent pas. They don't understand. Ils ont découvert un satellite. They discovered a satellite. Loin. Far. Qui était depuis le temps de Noé. Which has been there long ils age. Ils n'ont pas de réponse. They don't have answers. Ils ont dit ce sont les extraterrestres qui ont fait ça. Those are celestial beings. We don't know. Mais béni soit le nom du Seigneur. But blessed be the name of the Lord. Pour le message. For the message. Frère Branham est venu nous expliquer. Frère Branham came to explain that it falls. Ce sont des choses qui étaient utilisées au temps de Noé. Those are things that were used in the time of Noah. Et Branham avait dit que même l'ange se découvrira. The prophet says, even the ark of Noah will be discovered. Dieu garde ces choses-là comme preuve. God is keeping those things as a proof. Combien ont vu les photos? How many saw the pictures? Et les vidéos? Of the videos? Dans la montagne d'Arara? In the mountain of Arara? L'arche a été découvert. They discovered the ark of Noah. Dans les mêmes mesures que Dieu avait dit. In the same measurement that God said. Cela veut dire que la parole est vraie. That means that the word is true. Mais nous disons au monde. But we are saying to the world si now. Si en ces temps-là. If in those days. Il y avait un Noé. There was only one Noah. Pas deux. Not two Noahs. Avec un seul message. One Noah with one message. Avec une seule arche. With one ark. Aujourd'hui. Today also. C'est la même it's chose. The same thing. Il y a un Noé. There is one Noah. Un prophète. One prophet. Son nom. His name c'est Branham. Is William Branham. Et l'arche. And the ark. C'est le message. Is the message of the hour. Entrez dans l'arche. Get into the ark. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Observez, c'est ce qui causa la destruction. Now observe. That's what caused the destruction of that time. Alors la terre s'est inclinée. Now the earth bent. Avant. Because before. La première Bible de Dieu. The first Bible of God. L'homme regardait le calendrier. Men used to look at the calendar. En regardant le zodiac. By looking at the zodiac. Les étoiles, the stars, influençaient la saison, was influencing the season, et le calendrier, and the calendar. Comme cela a bougé, now has that now moved? Tous les calendriers ne sont plus exacts. Now all the calendars are not exact. Même le calendrier julien, even the Julian calendar, de Jules César qui a fait Jules ça, César, that et le calendrier grégorien depuis Grégoire XIII qui a fait ça.
it passed Gregory 16 that did it. It's not exact. Même le calendrier romain. Even the Roman calendar. Maintenant, nous avons au moins trois calendriers. Now we have at least three calendars. Il y a le calendrier romain. There is a Roman calendar. Vous dites amen? Say amen. C'était créé par Romulus. It was created by Romulus. Il est le premier roi de Rome. He is the first king of Rome. De 753 à 715. From 753 to 715. Before Jesus Christ. Il a établi un calendrier de 300 jours. He established a kind of 300 days. Et de 10 mois. And 10 months. Avec une très grande marge d'erreur. And with a lot of margins of mistakes. Nous avons eu le deuxième calendrier. We had a second calendar. Le calendrier Julien. The Julian calendar. Cela a été créé par Jules César. It was created by Jules César. L'empereur romain. The Roman emperor. Il a vécu de 101 à 44 avant Jésus-Christ. 101 to 44 before Jesus Christ. Il prit le calendrier romain. He took the Roman calendar. Il le réforma. He made it il again. Il réforma ce calendrier-là. He redid it again. Et il l'a mis en rapport avec les cours du soleil. And he connected it with the solar. Comportant 365 jours. Having 365 days. 12 mois. 12 months. Il ajouta un jour complémentaire tous les 4 ans, appelé année bisextile. He was adding. Étudié, vous connaissez. He was adding 4 days, 4 years. He was adding a day into all the next 4 years, which is called the bisextile days, what we call them in a year. C'est le calendrier que nous utilisons. It is the calendar that we use. On note une erreur de 7 jours au bout de 900 ans. Now there is an error of 7 days all along 900 years. Si vous avez compris, dites amen. Now, if you understand, say amen. Je vais entendre un grand amen. I want to hear amen. Il y a le calendrier grégorien. There is Gregorian calendar. C'est le pape Grégoire 13. It's the Pope Gregory 13. Il ordonna en 1582. He ordained in 1582. Que le 5 octobre s'appellerait le 15 octobre. He ordained that the 5th October will be called the 15th October. Il supprima les années bisextiles. He removed the bisextile years. Séculaire aussi. And then the singular also, the leap years. Ce qui ne laisse qu'une erreur d'un jour sur 4000 ans. And which leaves now behind an error of a day of 400 years. 4,000 years. Avec le système de division du temps. Now, with the system of division of time. Il faut remonter jusqu'à l'époque de la formation des roches. Now, you must go back up to the rock formation. Et déterminer l'âge de la terre et l'apparition de la vie. To determine the time of the earth and the appearance of life. C'est le calendrier que lui a fait. That's the calendar that he used. Maintenant, continuons. Now, let's carry on. Regardez que tous ces calendriers-là. Now, notice that all this calendar. Tout cela compte tenu de l'inclinaison de la terre. All those calendars, because of the bending déluge, of the world since the flood. Tous les calendriers sont plus ou moins erronés. Now, you've noticed that almost all the calendars has got errors. Même les calendriers grégoriens. Even the Gregorian. Depuis Grégoire 13. From Gregory 16. Même les calendriers Julien even de Julien. Ou les calendriers romains. Or the Roman calendar. Qui comptent des mois de 28 jours. The count of 28 days, month. Il y a parfois les mois de février, c'est 28 jours. There are month of February, which is 28 days. Un autre février, c'est 29 jours. Another February is 29. Les gens qui sont nés le 29, ils se disent des problèmes de fêter. Sister Ruth, those who are born in the 29 of February, they've got problems to have their parties, eh? Ils peuvent fêter ça l'année ici, l'année là, il n'y a pas de 29. They can feast it this year, and then next year there is no 29. What will they do? Il y a des mois de 30 jours. Now, there are months of 30 days. Il y a aussi des mois de 31. There are also months of 31. Ce sont les calendriers que nous utilisons. These are the calendar that we're using. On ne peut pas utiliser ça. We cannot use this. Quand nous parlons de la prophétie. When we speak about prophecy. Qui peut dire amen? Who can say amen? Ça c'est facile à comprendre. Now, this is easy to understand. Mais nous avons le calendrier prophétique. Now, we have got a prophetic calendar. Le calendrier prophétique. The prophetic calendar. On appelle ça ou calendrier juif. Or the Jewish calendar. Ou même calendrier religieux. Or the religious calendar. Même avant là. Even before that. Pas seulement les trois calendriers que j'ai parlé. Not only the three calendars I spoke of. Les Chinois ont leur propre calendrier. Chinese have got their own calendars. Combien connaissent ça? How many knows that? Et ils fêtent leur nouvel an différemment de nos nouveaux. The Chinese have got their own New Year different plus from ours. Les musulmans ont leur propre calendrier. Muslims have got their own calendars. Si c'est la vérité, levez la main. If it's the truth, lift up your hand. Vous voyez? You see that il y a plusieurs calendriers. There are many calendars. C'est compliqué. It's complicated. Même nos ancêtres ici ne connaissaient pas les calendriers. Even our ancestors did not know about calendars. Leur âge, on dit, on lui disait, mets la main comme ça. Now they in the ancestor times when they to check their age, they ask them to lift up the hands, the armpits. Quand les Belges sont venus. When the Belges came, on te regarde. They look at you. Mets la main comme ça. They say, lift up your hands. Ou bien lève comme ça. Or lift up your hands straight. On regarde un peu dans ta main. They look at your armpits. On dit bon, on dit toi. Avec l'odeur, toi they say, you with this smell of yours. 20 ans. You are 20 years of age. Tu
Don't you tell that the former president of Congo, Mobutu, lied. He said he was born in 1930. And the mother was, I don't know how many years. It wasn't his fault. Our great-grandfather did not know actually the age. Is it the truth? But now, there is a prophetic calendar. C'est le vrai calendrier de Dieu. That is the true God's calendar. C'est le calendrier qui ne comporte que des mois de 30 jours. That's a calendar which has got only a month which has got 30 days. Un mois égale 30 jours. 1 month equal to 30 days. Une année prophétique égale 360 jours. A prophetic year is exactly 360 days. Qui peut dire amen? Who can say amen? C'est là où il y avait un moine. Now, that's why there was now a moine. Un moine français, son nom c'est Denis Le Petit. There was a French person which was called Denis Le Petit. Il a décidé que tous les calendriers doivent commencer à la naissance de Jésus. He said now that all the calendars must start at the birth of Jesus. On prend Jésus comme le début des calendriers. Taking Jesus as the beginning of the calendars. C'est quoi, tout a commencé à l'an zéro. That's why everything began in the year zero. C'est lui qui a mis ça. He's the one who put it. Et il était inspiré. And he was inspired. Parce que tous les calendriers, because all the calendars, doivent témoigner de lui. Must testify of him. Je vais entendre un amen. And I hear amen. Quand tu dis qu'aujourd'hui 2017, now, if you say today is 2017, que tu sois païen ou pas, pagan or not, tu témoignes là de mon Dieu. You testify there of my God. 2017 par rapport à quoi? 2017 line with what? Depuis l'an zéro. From the year zero. Quand aujourd'hui c'est le dimanche, if today is Sunday, tu témoignes de mon Dieu. You testify of my God. Savez-vous pourquoi nous prions le dimanche? Do you know why we pray on Sundays? Le dimanche c'est pas le sabbat. Sunday is not the Sabbath. Le sabbat c'est samedi. Sabbath is on Saturday. Nous prions le dimanche. But you're praying on Sundays. Mais on a imposé ça à l'État. We even imposed it to the state. Le dimanche les gens ne travaillent pas. Sunday people are not working. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Après le sabbat. After the Sabbath. À l'aube du premier jour. Now, at the eve of the first day, Marie de Magdala était partie visiter le sépulcre. Mary of Magdala went to visit the sepulchre. Ils ont trouvé que Jésus était ressuscité. They found out that Jesus has resurrected. Le dimanche témoigne de la résurrection de notre Dieu. Sunday is actually testifying of the resurrection of our God. C'est pourquoi les musulmans sont perdus. That's why the Muslims are lost. C'est le peuple de vendredi. Is they are going on Friday. Quand Jésus mourait. When Jesus was dying. Les Juifs aussi sont perdus. The Jewish also are lost. Dieu les rachètera dans la fin. God will redeem them at the end. Parce que c'est un peuple de sabbat. Because they are a people of Sabbath. Jésus dit le Fils de l'homme est le maître. Jesus said the Son of Man is the master of the Sabbath. Le dimanche c'est le huitième jour. Sunday is the eighth day. Tous les calendriers, all the calendars, témoignent, testify, du roi des rois, of the King of Kings. Quand il est né, when he was born, tous les calendriers sont revenus à zéro. All the calendars returned back to zero. Que tu sois païen, may you be a pagan, franc-maçon, or franc-maçon, ou athée, or an athée. Tu ne veux pas croire en Jésus. You don't want to believe in Jesus. Même dans la lettre que tu vas écrire. Even in the letter that you're going to write. Je t'écris cette lettre le 11. I'm writing this letter on the 11th. Tu parles là you will Jésus. Always speak. 2017, you speak of Jesus. Let us clap hands for the Lord Jesus. Observe. Now, observe. Remarquez que notice that les trois calendriers, the three calendars, les 70 semaines de Daniel, the 70 weeks of Daniel, vous pouvez lire ça dans paragraphe 65 à 67. You can read it actually there in the paragraph 65 to 67. But I'm going to speak about this calendar. The Julian calendar, 365 jours, 365 days, et un quart. And one quarter, six meaning 6 hours. Tu vois, c'est pourquoi au début, je vous disais, that's why you see in the beginning I told you le calendrier de Dieu, c'est 360 jours. God's calendar is 360 days. Le nôtre ici, c'est 365, but ours is 365 heures, plus 6 hours. Le quart, the average time de 5 jours, it is of 5 days et 6 heures, and 6 hours. Qui peut dire un grand? Who can say amen? But I'm going to speak about this. Those are the quotations up there. Le calendrier prophétique, all the prophetic calendar, c'est 360 jours. It's 360 days exactly. Chaque mois, 30 jours. Each month, 30 days. D'où vient le calendrier? Where is the calendar coming from? Tout cela vient de la première Bible, les zodiacs. All those are coming from the first Bible, the zodiacs. L'homme regardait le ciel. Man was looking at the heavens. Pour voir la position des astres. To see the position of c'est the beings, Jésus a dit aux Juifs, of the stars.
That's what Jesus said to the Jewish. Vous savez regarder le ciel. You know how to look at the sky. Pour prédire que demain, to predict that tomorrow il y aura la pluie, there will be rain and it will mais be hot. Vous ne savez pas les signes du temps. But you do not know the signs of time. Le temps était déterminé time was determined par la première Bible by the first Bible of God, qui est le zodiac. Which are the zodiacs. Zone, figure des animaux. Figures of animals. Quand les étoiles forment une figure, when the stars make form a figure, ça forme une vierge. Quand Dieu commence Israël, when God starts with Israel, Jacob met au monde 12 Jacob fils. Gives birth to 12 children. Quand Jésus vient, when Jesus il comes, choisit 12 apôtres. He chooses 12 apostles. Nous avons 12 heures de l'horloge. We have got 12 hours of the clock. Jesus said you work 12 hours of the day. Tout est 12. Everything is 12. Tout cela c'est Dieu. All those is God. Et nous avons les signes. And we have got the signs. Il y a la Vierge. We've got a Virgin. Vous voyez, il y a la Balance. We've got Balance. Il y a le Scorpion. We've got Scorpion. Il y a Sagittaire. We've got Sagittaire. Il y a Capricorne. Capricorn. Il y a Verseau. We've got il y a Poisson. Il y a Bélier. Fish. We've il y a Taureau. We've got il y a Gémeaux. Il y a Cancer. Rome. We've il y a les Lions. Cancer and we've got the Lion. Si il y a un franc-maçon ici. Now, if there is a Freemason here. Il pensera que je parle de la franc-maçonnerie. You think that I'm speaking about a Freemasonry? Ou de l'horoscope? Or horoscopes? Non. No. Frère Banam me dit. Abraham says, Satan ne prend que les choses de Dieu. Satan only takes the things of God pour les donner un autre sens. To give it another meaning. Je vais entendre un amen. I want to hear amen. On me dit amen. Say amen. Même la Bible ici que even the Bible that you're reading. J'étais enfant. I was a child. J'ai vu des quartiers. I saw these wrestlers invoquer le diable par la Bible. Calling upon the devil using the Bible. Combien ont déjà vu ça? How many have seen that? Est-ce qu'en cela on ne peut pas parler de la Bible? Now, in that, does that mean we cannot speak about the Bible? La Bible reste vraie. The Bible remains true. Mais Satan essaye de donner une autre interprétation. But Satan now tries to give another interpretation. Mais nous les vrais croyants, but us not the true believers, on doit en parler. We must speak about it. Dans son sens vrai. And in his true meaning. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? C'est pourquoi un enfant de Dieu, that's a child of God, tu dois connaître ta date de naissance. You must know your date of birth. Frère Banham dit le signe de ta naissance influence ta vie. The prophet said that the sign, the zodiac sign of your life influences your life. Il y a une étoile qui influence ta vie. There is a star that influences your life. Et une pierre porte bonheur. And there is a lucky stone of your life. Frère Banham dit je suis né au mois d'avril. The prophet says I'm born in the month of April. Mon signe du zodiac c'est Bélier. My zodiac sign is the Lamb. Et la pierre porte bonheur de ma vie c'est diamant. And the lucky, my lucky stone is a diamond. Tous les grands naissent au mois de. That's all the great men you find that are Jésus born in the month on of a vu le 1er avril. In April. Moïse. Now, Jesus, April. Abraham, April. Moses, ce April. Sont des bonnes personnes. They are good people, those ones. Moi, je suis né dans la balance. I was born in balance. C'est je suis un enseignant. That's why I'm a teacher. Un enseignant qui connaît balancer les vraies doctrines. A teacher that knows how to balance true doctrine. Dieu utilise que ta nature. God only uses your nature. Qui peut dire un grand amen? We can say big amen. Maintenant, continuons. Now, let's carry on. Et ici, regardez ici. Now, look here. Quand nous parlons de ça, when we speak about this, quand la lune tourne autour de la terre, la lune, now, when the moon turns around the earth, c'est pendant 30 jours. It's for 30 days. C'est quoi un mois? That's why a month, c'est 30 jours. It's 30 days. C'est en rapport avec la lune. It's in line with the moon qui tourne autour de la that terre. That turns around the sun. Et quand nous parlons de 2000 ans, around the earth, quand nous parlons de toute une année, of a year, c'est la terre. It's the earth qui tourne autour du soleil. That turn around the sun. La terre commence à tourner autour du soleil depuis le signe de la Vierge. Now the earth starts jusque turning around the sun from the virgin sign up until the lion for 12 months. Quand nous parlons de chaque 2000 ans, when we speak about each 2000 years, c'est quand le soleil termine tous les signes du zodiac. It's when the sun has finished all the zodiac signs. If you understand, say amen. Maintenant continue. Now let's carry on. Observez. Observe. 30 jours dans le calendrier de Dieu. The calendar of God. C'est le chiffre 30. It's number 30. Nombre d'adoption. The number of adoption. Dans le calendrier de Dieu. In God's calendar. Un mois. A month. C'est 30 jours. It's 30 days. Pourquoi? Why? C'est le temps où la lune tourne autour de la terre. It's the time where the moon is turned all around the earth. C'est le nombre de l'adoption. It's the number of adoption. Parce que la lune c'est l'église. Because the moon is the church. Regardez Apocalypse 12. Now look, Revelation chapter 12. Et la terre c'est le mondain. And the earth is the worldly. Et Jésus est le soleil. And Jesus is the sun. La Bible dit le soleil de la justice. The Bible says he's the son of righteousness. La lune c'est la femme du soleil. The moon is the wife of the sun. On me répondait amen. Say amen. L'épouse c'est la femme de Jésus. The bride is the wife of Jesus.
That's why when you turn around the world, Dieu nous a donné 30 comme adoption. God gave us 30 years in adoption. That's why a Levite can work in the temple. Arrivé à 30 ans, and reaching 30, il devient sacrificateur. He becomes a high priest. Même Jésus, priest. Even Jesus. Il a grandi. He grew. À 30 ans, at the age of 30, Dieu l'a oint. God anointed même him. Branham, even Branham. Il a commencé à prêcher he started la parole. Preaching the word. Son message de 1930, his message of 1933. When the seed reached 30, Dieu l'a adopté. God adopted him. Vous les enfants ici, you children here, tu dois faire attention. You must be careful. Ta vie est régie par le calendrier. Your life is designed on the calendar. Tu dois être adopté. At the age of 30, you must be adopted. La lune tourne autour de la terre pendant un mois. The moon turn around the earth for 30 years within a month. 30 jours. 30 days. Soit un signe du zodiac. Which is a sign of zodiac. Soit un douzième tour de la terre autour du soleil. It's either one sign of zodiac or 1/12 of the tour of the earth. La terre tourne autour du soleil pendant 12 mois. The earth turn around the sun for 12 months. 360 jours. 360 days, soit un cercle, or a cycle, un cadran entier de 360 degrees. Now it's a quarter of a degree of 360. Soit 12 signes du zodiac par an, or 12 signs of zodiac per year. Depuis janvier jusqu'en décembre. From January to December. Le soleil accomplit le parcours de toutes les constellations. Now the sun actually goes around the all the constellations. Plus ou moins chaque 2000 ans. Or more or less 2,000 years. Balayant la constellation de la Vierge, going from the constellation of the Virgin, la première venue, which is the first coming, jusqu'à celle du lion à la seconde venue. Up until the lion, which is the second coming. C'est là où quand Frère Branham a dit aux gens, it's there when Frère Branham told people, dans chaque 2000 ans, in each 2,000 years, il y a quelque chose, there is something, les gens ne comprenaient pas. People did not understand. Parce que, because dans les 2000 ans, in the 2,000 years, le soleil parcourt Vierge, the sun goes around the Virgin, premier signe, first sign, jusqu'au lion. À partir de lion, Dieu détruit. God destroys. Depuis Adam jusqu'à Noé, from Adam until Noah, Dieu détruit. God destroys. Il recommence avec le soleil. He start all over again with the depuis sun. Noé vient, from Noah the virgin, jusqu'à la naissance de Jésus. À partir the birth of Jesus, lion il détruit. Lion he destroys. Jésus est né par la Jesus was born from the virgin. Il est né par la vierge. He was born from the virgin. Dieu commence encore. God starts tous again. Les signes du zodiac, all the signs of zodiac. Jusqu'à Laodicea. Up until Laodicea, il est dans les signes du cancer. Is in the sign of cancer. Et quand l'ange puissant, and when the mighty angel descends, c'est le Léo. That's the Leo. Le lion de la tribu de the Judah. Lion of the tribe of Judah. Apocalypse 10. Revelation 10. La the second coming. Chaque 2000 ans, it's 2,000 years. Quelque chose arrive. Something happens. À cause de ça. Because of that. En réalité, projetez-moi continuer. In reality, let's project. Toujours le même. Continue. En réalité. In reality. Il n'y a pas 2017. There is no 2017 in reality. Non. No. Ça s'arrête en 2000. It stops in 2000. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Maintenant. Now. Non, l'autre tableau. Continue la l'autre rapidement. On va terminer. Carry on with the one we're about to finish. Toujours dans le calendrier. Still in the calendar. Maintenant, vous allez comprendre que now you'll understand that. Quel est maintenant le point de départ? What is now the starting point? Le point de départ. The starting point. Vous comprenez pourquoi Daniel? You'll understand why Daniel est le seul prophète. Is the only prophet qui a saisi la notion de temps. That caught the notion of time. Il a parlé. He spoke un temps. A time. Des temps. Of a time. La moitié de temps. And half a time. Il a parlé 1260 jours. He spoke 1260 days. 1290 jours. 1290 days. 1335 jours. 1335 days. Daniel a parlé de 2300 soir matin. Daniel spoke about 2000 evening and mornings. Et toutes ces choses-là. All those things. Dans toute la Bible. In the entire Bible. Le terme est un temps. The term a time. Des temps. Two times. Moitié de temps. Half a time. Est repéré 7 fois. He is spoken of 7 times. Parce que c'est seulement le septième ange, because it's only the seventh angel, qui va révéler ça. That will reveal it. Quand vous lisez Daniel 7, 27, when you read Daniel 7, Daniel 12, 7, Daniel 12, 7, Apocalypse 12, 14, Revelation 12, 14, on parle un temps, we speak about a time, des temps, two times, la moitié de temps, half a time. Qui peut dire amen? Who can say amen? Qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Tu risques de penser que c'est une heure, un temps. You might think one a time it's actually 1 hour. Un temps c'est 2 heures. No. Two times is 2 hours. Ce sont des codes. Those are codes of the Bible. La Bible parle de 40. The Bible spoke about 42 months. Apocalypse 11, 2. Revelation 11, 11, 2. Apocalypse 13, 5 parle de 40. Revelation 13, 5, 42 months. Apocalypse 11, 3. Revelation 11, 3. Parle de la même chose. Speaks about the same thing. Apocalypse 12. Revelation 12. 6. 6. Corrigez, je t'avais dit de corriger, j'avais eu la réponse, frère. I asked you to correct that, brother. Ça parle de 1260 jours. It speaks about 1260 days.
Quand vous prenez ces chiffres, when you take these numbers, vous les calculez dans notre calendrier, you calculate it in our calendar, vous n'aurez pas la réponse. You won't have the answer. Il faut les prendre, you must take it, dans le calendrier de Dieu, into God's calendar. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. C'est pourquoi dans le calendrier de Dieu, that's why God's calendar, c'est là où vous aurez la réponse. Now this is where you're going to have the answer. Une année, c'est 360 jours. 360 days. Un mois, c'est 30 jours. 1 month is 30 days. Quand la Bible dit un temps, when the Bible says a time, c'est une année. It's 1 year. De 360 jours. Of 360 days. De temps. Two times. C'est 2 ans. 2 years. La moitié de temps. Half a time. C'est 6 mois. 6 months. On aura combien? What are we going to have? Une année. 1 year. Plus 2 ans. Plus 2 years. Plus 6 mois. Plus 6 months. C'est 3 ans et demi. 3 years and a half. C'est pourquoi ça correspond. That's why it corresponds. 1260 jours. 1260 days. Divisé ça par 30. Divided by 30. C'est 42 mois. It's 42 months. Or 42 mois. While 42 months. C'est 3 ans et 6 mois. It's 3 years and 6 months. Tu vois le terme 42 you see mois. You see the terms 42 months. Un temps. One time. Des temps. Two times. Moitié de temps. Half a time. 1260 jours. 1360 days is the same thing. Dans le calendrier de Dieu. Into God's calendar. C'est Frère Branham qui l'enseigne. Frère Branham is teaching this. Qui peut dire un grand amen? Okay, say big amen. Maintenant. Now. Daniel a dit 70 semaines. Daniel said what? It is 70 weeks. Quel est le point de départ de 70 semaines? What is the starting point of the 70 weeks? Levez les mains si vous avez compris. Lift up your hand if you understood. On commence à compter ça quand? When do we start to count it? Daniel a dit depuis la promulgation. Daniel says from the promulgation. À partir d'où faut-il commencer à compter les 70 from semaines de Daniel? When do we start counting the 70 weeks of Daniel? La réponse est dans la Bible. The answer is also in the Bible. Daniel 9:25 avait dit depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie. He says, from the time when the word was announced that Jerusalem will be rebuilt. C'est là où on commence à compter 70 that's semaines. Where we start counting the 70 weeks of avançons God. Rapidement. Let's move forward quickly. Quand est-ce que cela a été annoncé? When was it announced? En effet, l'ordre de la reconstruction de la muraille. In fact, the all of the rebuilding of the wall. Of the et wall, de la ville de Jérusalem. And the city of Jerusalem. Fut promulgué sous Artaxerxes. Was announced under Artaxerxes. Artaxerxes n'est pas Xerxes. Artaxerxes is not Xerxes. Xerxes c'est Assyrus. Xerxes is Assyrus. C'est lui le père d'Artaxerxes. He is the father of Artaxerxes. On l'appelait aussi Marcocher. He was called also Marcocher. En latin, on l'appelait Langimanus. In Latin, they call him Langimanus. Qui signifie longue main. Which means long hand. Parce que sa main droite était plus longue que because sa main gauche. His right hand was longer than his left hand. C'est pourquoi on l'appelait Langimanus. That's why they call him Langimanus. Ça sont les détails. Those are details. Artaxerxes. Artaxerxes. C'est lui que Néhémie parle dans Néhémie 2. Is the one that Nehemiah is speaking about in Nehemiah chapter 2. Là où on a lu avec where we read with you. Néhémie était un juif en captivité. Nehemiah was a Jewish in captivity. Il servait dans la maison de he was serving in the house of Artaxerxes. Et ce jour-là, il était triste. And that day was sad. Il a dit, pourquoi tu es triste? They asked him, why are you sad? Il dit, comment je peux pas être triste? He says, how can't I be sad? Pendant que mon pays est détruit. While my land is, my country is destroyed. Là, c'est déjà après Daniel. There, it's already after Daniel. Qui veut dire amen? We can say amen. Le roi dit, qu'est-ce que tu fais que the je king fasse? Says, what do you want me to do? Il dit, oh roi. He says, oh king. Si tu peux m'envoyer dans mon pays. If only you can send it to my land. Pour reconstruire. To rebuild. Et écrit des lettres au gouverneur de mes to letters to governor to help me. Et qu'on me donne des bois. And may I be given wood. Le Dieu a touché le cœur du roi. And God touched the heart of the heart of king. Parce que c'était 70 ans because déjà. Because 70 years already passed. Le roi Artaxerxes. And the king Artaxerxes. Promulgue une loi. Recommend a law. Il a envoyé des lettres. And he sent law et il letters. A laissé Néhémie. And he left Nehemiah. Que va reconstruire Jérusalem. Go and rebuild Jerusalem. Vous êtes là? Are you here? Reconstruire les murailles. Rebuild the wall. La ville. The city. Même le temple. Even the temple. Qui était détruit avec Babylon. Which was demolished with Babylon. 70 ans de captivité. 70 years of captivity was elapsed. Artaxerxes. Artaxerxes. Lui donne la promulgation. Give him the go ahead. Quand la lettre là était signée, when the letter was signed, selon Daniel, according to Daniel, on commence à compter 70 semaines. We start counting the 70 weeks of Daniel. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Oh, why? Frère Branham parle dans 70 semaines de Daniel. Branham speaks about it in a sermon 70 weeks of Daniel, paragraph 61 to 65. According to history,
Artaxerxès succéda à son père Xerxès qui est Cyrus. Artaxerxès actually came came after his father Xerxes, which is Assyrus, qui avait épousé Esther. That married Esther. Il était assassiné. He was assassinated par son lieutenant, by his lieutenant, appelé Artaban. Called Artaban. Il était assassiné le 14 jours du mois d'Abou. He was assassinated the 14th day of the month of Abu. De l'année 465 avant Jésus-Christ. After the year 465 before Jesus. Qui correspond au mois d'août. Which corresponds to the month of August. De notre calendrier. Of our calendar. 465 avant Jésus-Christ. 465 before Jesus Christ. La date de l'accession d'Artaxerxès. The date of the date of accession of Artaxerxès. Et pour bon nombre d'historiens, la date de l'assassinat d'Artaxerxès. And is a, in a historical number, it's exactly of the date of the assassination of his father Xerxes. En août 465 de notre in August 465 of our avant, of our era. Avant notre ère, avant notre pas notre avant notre ère. Before our era. Date d'accession d'Artaxerxès au trône. The date of accession of Artaxerxès in the throne. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Dites encore amen. Say amen again. Si la date là est 465. If the date is 465. Dans Néhémie chapitre 1, là, in Nehemiah chapter 1, in Nehemiah chapter 2, verse 1, we read. Au 20e année, Nehemiah said, on the 20th year, il faut croire les détails de la Bible. You must believe the details au of the Bible. 20e année du règne d'Artaxerxès, on the 20th year of the ruling of Artaxerxes, s'il a accédé au trône à 465, if he came in the throne in 465, 20e année de son règne, the 20th of his ruling, ça c'est avant Jésus-Christ, that is before Jesus, nous retirons 20. We're taking out 20. Parce que nous parlons d'avant. Because we're speaking about before. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Nous aurons combien? What are we gonna have? We're gonna have 445. Qui peut dire amen? We can say amen. C'est en 445. It fell in 445. Que Artaxerxès, that Artaxerxès, à sa 20e année de règne, and his 20th of reign, parce qu'il était monté au pouvoir en 465. Because he came in power in 465 before Jesus. Nehemiah a dit au mois de Nissan. Now Nehemiah is saying in Nissan month. Nissan dans notre calendrier c'est le mois de mars. Nissan now in our calendar is the month of le début de Nissan c'est mars. The beginning of Nissan is March. La fin de Nissan c'est avril. The end of Nissan is April. Or c'est le 14. Wow, it's on the 14th de Nissan. Of Nissan. Alors nous avons now we have le 14 mars, the 14th of March, 445 avant Jésus-Christ, before Jesus Christ. C'est là où la lettre a été donnée, that is why the letter was given, de la promulgation, of the promulgation, de la reconstruction, of the reconstruction. C'est en cette date-là, it was in that date, que nous commençons à compter, that we start counting, les 70 semaines, the 70 weeks. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Ramenez-moi le tableau des 70 semaines. Bring me back the picture of the 70 weeks. Pour que vous compreniez très bien. So that you may understand this very well. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Isn't it wonderful? Remarquez après qu'ils sont sortis. Now notice, after they went out. C'est le 14 Nissan. It's the 14th of Nissan. Par Artaxerxès. By Artaxerxès. Qu'il a promulgué la loi. That they brought out the law. Et Nehemiah est reparti au pays. And Nehemiah went back into the land. Ils ont commencé la reconstruction. They started again reconstruction. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Maintenant, Nehemiah. Now, Nehemiah. Dieu avait déjà dit à Daniel. God already told Daniel. Qu'il y aura 7 semaines. That there will be 7 weeks. Depuis la promulgation. From the day of announcement. Jusqu'à la fin de la reconstruction du temple. Up until the end of the reconstruction c'est of the temple. Dans notre tableau, nous mettons 7 semaines. That's why in our board we're putting 7 weeks. Jusqu'à la reconstruction du temple. Up until the reconstruction of the temple. C'est là où nous sommes ce matin. That's where we are this morning. Retenez que ça commence à se compter là. Now, keep in mind, that is where it's been counted. Si vous le comprenez, dites un grand. If you understand, say big amen. Comme ça commence à se compter là. Now, has it been counted there? Nous avons maintenant eu now we have la date où ça commence à se compter. La the Bible date est where parfaite. It began, the construction began. The Bible is perfect. Si vous comprenez, dites amen. If you understand, say amen. Frère, efface-moi le tableau. Écris-moi là. Le 14 Nissan 445. Write me the board. Write me there. The 14 Nissan. Maintenant, pour terminer. Now to finish off. Comme nous avons trouvé. As we found.
à la 20e année du règne. At the 20th year of the ruling. D'Artaxerxès. Of Artaxerxes. Il était accédé au trône en 465. He got in the throne in 445. 20e année c'est 445. The 50th year is 445. Le 14 Nissan. Of the 14th of Nissan. Gabriel avait dit à Daniel. Gabriel said to Daniel. Il y aura 7 semaines. There will be 7 weeks. Maintenant nous devons savoir. Now we need to know. C'est là où. That is where. Le ministère de Branham est important. The ministry of Branham is important. Qu'est-ce signifie une semaine? What is the meaning of 1 week? Est-ce qu'à partir de là, from there, on va commencer à compter une semaine de jours? Now, are we going to be counting one week of days? Dieu a caché ça toutes ces années-là. God hid all these years. Et il est venu répondre à Frère Branham. And then he came to answer to Brother Branham. Pourquoi? Why? Parce que Dieu avait déjà dit à Daniel. Because God had already said to Daniel. Cinquième but. The fifth purpose. Sceller ça. Seal it up. C'est au temps de la fin. That is at the end time. Que je l'ouvrirai. That I'll open it. Qui peut dire un grand amen? We can say big amen. Et quand je l'ouvrirai. And when I will open it. Le peuple sera épuré. The people now will be appired. Lavé. Washed. Par ces choses-là. By those things. Maintenant écoutez votre lavage. Now listen here. 70e semaine, paragraphe 65. 70 weeks of Daniel, paragraph 65. Maintenant écoutez ici. Listen now. Alors, voilà comment je suis arrivé à ça. Now, behold, I was reaching to this. Comment j'ai trouvé ce qu'il en est des jours? How did I find the one of the days? Trois calendriers différents si on reprend l'ancien calendrier astronomique. Three different calendars if you take the astronomical calendars, as we said it, as you saw here. Il y a 365 jours et un quart d'année. There is 365 days and a quarter of a year. Ils ont calculé avec ça par le passage de Sardes. And they calculated with the passing by of Sardes. Dans les calendriers romains, ils ont utilisé actuellement il y a 365 jours par année. The Roman calendar, they used 365 days in a year. Mais d'après le calendrier chrétien. But according to the Christian calendar. Ou calendrier prophétique. Or the prophetic calendar. On voit qu'il n'y a que 360 jours par année. You find out that there is only 360 days in a year. Oh, mais dites amen au prophète. Say amen to the prophet. Maintenant, vous vous demandez peut-être d'où vient cette confusion. Now you ask yourself, where is this confusion coming maintenant, from? Maintenant, je veux que je vous dise ceci. Je veux seulement dire de moi-même. Now I want to say this to myself. Je ne peux pas le dire de moi-même. I cannot say it for myself. Je crois qu'il y a longtemps depuis la destruction antédiluvienne. I think there has been long since the destruction. L'axe de la terre n'est plus tout droit. The sphere of the earth is no longer straight. Depuis le temps de déluge. From the time of the flood. Elle se trouve dans cet état incliné. It's in a bending position. Je crois que réellement que c'est ce qui est arrivé, les calendriers ne sont pas exacts. I believe that's what happened that caused the calendars not to be exact. Mais Dieu avait promis que dans les derniers jours. But God promised that in the last days. Dieu révélera ses secrets à l'église. God will reveal this secret to the church. Par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. L'esprit de sagesse viendra à l'église. The spirit of wisdom will come to the church. Daniel avait promis ça. Daniel promised it. Que les sages comprendront. That the wise will understand. Bon, l'assemblée dit amen. Bon, the congregation says amen. L'église dans les derniers jours sera révélé ses secrets. The church in the last day will reveal a secret. Ce qui élimine les années sont astronomiques et les calendriers juliens. What is the Julian calendar and astronomy? Maintenant prenons Apocalypse. Now let us take Revelation. Nous allons voir au jour des deux prophètes. We will see the day of the two prophets. Vous voyez 1260 jours. You see 1260 days. Et nous voyons toutes ces choses là. And we see all those things. Maintenant Frère Branham dit. Now Brother Branham says. Donc maintenant. Meaning now. Voici la révélation. Behold the revelation. Maintenant on n'est plus aux hypothèses. Now we are no longer in hypothesis. Nous sommes plus dans le temps des hypothèses. We are no longer in a time of hypotheses. Nous savons que Dieu nous a révélé. Now we know that God has revealed unto us. Chaque semaine, each week, signifie 7 ans. Mean 7 years. Je veux que tout le monde acclame le Seigneur. I want everyone to applaud the Lord. Vous avez saisi? Did you catch that? Branham dit, disons-le tous ensemble. The prophet says. Let us say it now, all of us, all together. Frère Branham et l'assemblée répète. The prophet and the congregation repeat. Une semaine. 1 week. Égale 7 ans. Equal 7 years. Alors nous tous répétons ensemble. Une semaine. One week equal 7 years. Répétons encore. Let us repeat this. Une semaine. 1 week equal 7 years. C'est terminé. That's over. Il n'y a plus de confusion. There is no more confusion. Ce n'est plus le temps des hypothèses. It's no longer a time of hypothesis. Amen. Amen. Le Dieu qui avait écrit ça. The God that wrote it. A révélé à William revealed Branham. To William Branham. Que la chose que j'avais cachée. That the thing which I had hidden.
Dans les 70 semaines de Daniel, in the 70 weeks of Daniel, c'est que une semaine is that 1 week égale equal 7 ans. 7 years. Si une semaine égale 7 ans, if 1 week equal to 7 years, 7 weeks égale equal to 7 fois 7 times 7 égale equal 49. 49. Et vous remarquerez que c'est merveilleux. Now you notice that this is wonderful. Dieu avait dit à Daniel, God said to Daniel, depuis le temps de la promulgation, from the time of the announcement, jusqu'à ce que la reconstruction et le temple finit, up until the reconstruction of the temple finishes, projetez-moi le tableau là, project me that picture de Daniel, of the 70 weeks of Daniel, il y aura 7 semaines. There will be 7 weeks. Vous construirez, you will rebuild, le temple de Jérusalem, the temple of Jerusalem, mais dans les temps difficiles, but in difficult times, et cela a duré exactement 49. And it lasted exactly 49 years. Mais dans la prophétie, but in the prophecy, Dieu a dit 7 semaines. But God said 7 weeks. Une semaine, 1 week, égale 7 ans. Equal 7 years. Si vous le croyez, dites amen. If you believe it, say amen. Maintenant, montrez-moi le tableau là. And show me that picture while you're speaking. Retenez aujourd'hui ça. Keep this in mind today. Maintenant, now, quand vous comprenez ça, when you understand this, les 7 semaines, the 7 weeks, il y a les 3 périodes indiquées à partir de la date du 14 Nissan 445. Now the 3 periods indicating from the date of the 14 Nissan, which is the year of 445. Les 7 semaines comportent 7 semaines d'année. 7 weeks has got 7 weeks of a year. Qui équivaut à 7 ans fois 7 égale 49 ans. Which is equal to 7 times 7, 49 years. Qui correspond à l'époque difficile et trouble. Which is equal to the difficult time and of trouble. Dieu avait dit à Daniel que le temple sera reconstruit dans les temps troublés. God told Daniel that the temple will be to be put in a time of trouble sometime. C'est le temps d'Esdras et de Néhémie. In a time of Esdras and Nehemiah. Pendant laquelle la ville et les murailles ont été rebâties. In a time where the walls and the walls was being built. Il y avait Shambala le Horonite. There was Shambala the Horonite. Ou le Samaritain. Or the Samaritan. Et Gershom l'Arabe. And Gershom the Arab. Et Tobijah. And Tobijah. Et d'autres ennemis d'Israël. And other enemies of the Lord. Ils ont fait renverser des intimidations au sein du peuple. Which brought intimidation upon people. Et ils ont accompli des actes de vandalisme. And they do some action of vandalism. Et des complots. And plot. Voulant assassiner Néhémie. Trying to assassinate Nehemiah. Afin de stopper les travaux. In order to stop the works. Esdras 4:4, Nehemiah 4:56. Esdras 4:4 and Nehemiah 4:56. Mais en dépit de toutes ces oppositions. Now, despite all this opposition. Le temple fut achevé. The temple was finished. Par Zorobabel. By Zorobabel. Dédicacé à Dieu. Dedicated to God. Esdras 6:15. Esdras 6:15. La miraille fut restaurée, achevée. The wall was done and done and finished. In, toute la miraille était finie en 52 jours. The wall was done in 52 days. Et 7 fois 7, and 7 times 7, c'est 49. 49. Le mystère de Lévitique 25. The mystery of Leviticus 25. Dieu a reconstruit le temple. God rebuilt the temple. Dans les 7 semaines. In the 7 weeks. Qui signifie 49 ans. Which means 49 years. Déjà la parole s'ajoute à la parole. Already the word is being added to the word. 49 dans Lévitique 25. 49 Leviticus 25. Vous compterez 7 sabbats d'année. 7 sabbaths of the year shall come. 7 années, ce serait 49. 7 times 7 years will be 49. Et la 50e année, c'était la dédicace. And the 15th year, it was a dedication. Observez, c'est le type de notre église. Now, it's the type of our church, observe. Quand Salomon a construit le temple, when Solomon built the temple, c'était le temps de paix. It was a time of peace. Qui peut dire un grand amen? Who can say a big amen? Mais dans la reconstruction, but in reconstruction, il y a eu l'opposition. There was opposition. Sambal. Samban. Le Horonite. The Horonite. Tobijah. Tobijah. Gershom l'Arabe. Gershom l'Arabe. Ils ont commencé à les intimider. They started intimidating them. Ils ont fait les actes de vandalisme. They did some vandalism. Oh, si vous ne pouvez pas voir Dieu. If you cannot see God. Je ne prêche pas ça dans l'histoire. I'm not preaching this in history. Quand on a construit Amen. When we built Amen. C'était le temps de paix. It was the time of peace. Quand on est venu restaurer Amen. When we came to restore Amen. On a vu des Sambala. We saw Sambala. Mais c'est comme Daniel Kalombo est venu vandaliser les choses. Like Daniel Kalombo came to vandalize the things of the church. Les esprits ne meurent pas. Spirits do not die. Je veux que vous criez amen. I want to shout the amen. Regarde l'opposition aujourd'hui. See opposition today. Regarde tous ces ennemis. Look at all the enemies. Ce sont des sambala. They are sambalas. Tobijah. Tobijah. Sambala le Ronite. Sambala de Ronite. Je pense au vieux Gomat comment il disait ça. I'm thinking, I remember Gomat what he was saying. Avec les Gershom arabes. With the Gershom arabes. Mais Némi a dit
au peuple. But now he said to the people. Nehemiah said to the people. Reconstruisons. He says, as you are rebuilding. Une main, le peuple. Amen. His word. Une main en train de construire. Another hand building. C'est ce qui manque à cette église. That's right. This is what lacks in this church. Au temps de la reconstruction. In the time of reconstruction. Il y aura toujours. There will always be. Croyez-vous que l'Ancien Testament est notre ombre? Do you believe that the Old Testament is our shadow? Il y aura toujours des sambalas. There will always be sambalas. Et des tobijas. And tobijas. Et des gershom à l'arabe. And the gershom d'arabe. Et de l'opposition. And opposition. La Bible dit ils se sont opposés. The Bible says they opposed. Mais l'opposition positionne. But opposition positions. L'opposition doit nous positionner. The opposition must position us. Ce sont des esprits. Those are spirits. Mais l'église, but the church, la manière de restaurer une église, the way of restoring a church, ce n'est pas comme le diacre ici. It's not like the deacon here in Amen. Ni comme 90% not even like 90% of members here in the church. No. Nehemiah, Nehemiah said, on restaure, we restore une main, le pain, a hand, a sword, en train de combat, fighting, une main, and another hand, on reconstruit. We rebuild. Si vous voulez seulement reconstruire, if you only want to rebuild sans le pain, without the sword, vous êtes busy, while you are busy, on vous tue. They kill you. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Oh, dites amen. Say amen. Si vous voulez seulement combattre, if you also want to fight sans reconstruire, without rebuilding, vous combattez, they will be fighting, mais rien ne se fait. But nothing is being done here. Nehemiah leur a dit, Nehemiah told them, une main le pain, a hand, a sword, une main, the other hand, en train de construire, fight, building. Prenez ça aujourd'hui. Now, take it today. Regarde comment les démons attaquent cette église. See how the demon attacking the church. Pendant que nous reconstruisons. While we are rebuilding. Quand on avait construit, amen. When we build, amen. 8 mois finis. 8 months we are done. Tout le monde était pour nous. Everyone was done. Mais quand on est venu restaurer. But now, when we came to restore. Regarde les esprits de Sambala. Now look at the spirit of Sambala. Tobija. Les oppositions. Opposition. This and that. La Bible est vraie. The Bible is true. Pendant que quand tu vois l'histoire de ta vie. The prophet says, when you see the story of your life. Et ce que tu passes. And of what you're going through. Les autres ont passé ça. God has went through it. Tu dois avoir la foi. You must have faith. Et faire la même chose. To do the same thing. Dites un grand amen. Say big amen. Dites à ton frère. Say to your neighbor. Dites d'aujourd'hui. From today. Une main le pain. A hand, a sword. The sword is not to play, to kill. Yeah, it's to kill. C'est un salut, a greet. No, all of you shake hands and remain like this. Doctor, all of you shake hands and remain like this. Shake hands and remain like this. Shake hands, remain like this and speak. And say to the person next to you, a hand. You rebuild, amen. A hand. You must kill the sambalas. Tobija. The Geshom the Arabs. You see the Arabs. Ce sont nos frères. They are our brothers. Mais ils ne croient pas tout. But they don't believe everything. Ce sont les Arabes. They are Arabs. Dites amen. Say amen. Combat. You fight. Et construit. And rebuild. L'opposition. Opposition. Position. Positions. Quand j'ai lu ça aujourd'hui, je dis, oh, when I read it today, I was like, oh, tout a été déjà dit. Everything was already said. Qui peut dire un grand amen? Who can say big amen? Vous voyez? You see? Mais ils ont reconstruit. But they rebuilt. Ils ont fini. They finished. Une semaine égale 7 ans. A week is equal to 7 years. Prouvons ça dans la Bible, on va terminer. Let us prove it in the Bible, then we finish. Une semaine égale 7 ans. A week equal to 7 years. Quand Frère Branham a dit ça. When Brother Branham said this. Est-ce que c'est biblique? Is it from the Bible? Regardez preuve biblique. Now look at the biblical proof. Un jour pour Dieu égale 1000 ans. One day for God is 1,000 years. Qui peut dire amen? We can say amen. 2 Pierre 3, 8, Psaume 94. 2 Peter 3, 8, Psaume 94. On dit que les jours de soir et matin. Now they say the day of evening and morning. Dieu a commencé à faire ceci. Il y a un soir et un matin, le premier jour. There was this in the evening and the morning. Deuxième and there was jour, the day, soir first et matin. Day, evening and morning. Sixième jour, il crée sixth day, he created a man. C'est 6000 ans. It's 6,000 years. Tu vois le septième jour. That on the seventh day, Dieu s'est reposé God d'abord. Rested the man. Et Satan aussi a pris l'Éden de Dieu. And Satan also took God's Eden. Depuis le péché, from sin, Satan aussi construit le péché. Satan also built up sin pendant 6000 ans. For 6,000 years. De
Depuis Adam jusqu'à Noé 2000. From Adam to Noah. Noé à Jésus 2000 ans. From Noah Jésus to Jesus 2000 2000 ans. From Jesus to Abraham 2000. Satan est en train de détruire Satan ce monde. Is busy destroying this world. De construire son Eden. He's building his Eden. Et nous sommes au 7e millénaire. And we are in the 7th millennium. Nous avons déjà eu une prolongation de 17 ans. We have already a prolongation l'année of 17 years. L'année du grand millénaire, nous sommes à l'année 17. Now we are already in the year 17. Parce qu'après ceci, nous irons dans le millénaire. Because after this, we go to the millennium. Une semaine égale 7 ans. A week is equal to 7 years. Comme une semaine jour. As a week day. Égal 7 jours. Equal to 7 days. Vous dites amen. You say amen. Une semaine prophétique. A prophetic week. One prophetic week. Ans. Equal to 7 years. Prenez nombre 14 et 34. Take number 14:34. Dieu leur dit une année pour un jour. God told them 1 year for a day. Prenez Ézéchiel 4:4-6. Take Ezekiel 4:4-6. Dieu leur dit un jour égal une année. One day equal to a year. Prenez Apocalypse 10. Take Revelation 2:10. Dieu dit que vous passerez une petite tribulation de 10 jours. God told them you go through a little tribulation of 10 days. 10 jours c'était 10 ans. 10 days was 10 years. Abraham n'a pas exposé pas ça 27. But Abraham speaks about in exposition of the church 10 jours 27 égale 10 ans. 10 days equal to 10 years. C'était par le Diolétain. By it was through Diolétain. Cet empereur méchant. This evil emperor. Il a détruit l'église pendant 10 ans. He destroyed the church for 10 years. Mais vous voyez dans la prophétie. That was in the prophecy. Dieu dit 10 jours. God said 10 days. Parce que un jour. Because one day. C'est une année. It's a year. Parce que le premier preuve biblique. Now the first biblical proof. Parce que Frère Branham est un prophète biblique. Because Brother Branham is a biblical prophet. Deuxième preuve hébreu. Now the second Hebrew proof. Le terme hébreu 70 semaines. The Hebrew proof 70 weeks. 7 ans pour chaque année. 7 years. 7 years for et each year. Et non de 7 semaines, de jours, de 7 jours par semaine. And not now the 7, the year, the days of the week. No one has a weeks of the day. L'expression originale. The original expression. Hébraïque traduit dans Daniel 9:24. The Hebrew expression, the original Hebrew expression of in Daniel 9:24. When we say 70 weeks. Dans Hébreu, Daniel avait dit. In Hebrew, Daniel said. Shavuim shivim. He said, Shavuim shivim. Qui signifie en hébreu littéralement semaine d'année. Which means literally weeks of weeks a year. C'est différent de l'expression Shavuim yamim. Now it's different from the expression Shavuim yamim. Traduit dans Daniel 10:2. Translated in Daniel 10:2. Venez-vous quand Daniel a vu l'ange, dit que quand j'ai vu ces visions, j'ai eu 3 semaines sans dormir. Now, Daniel, if you remember, Daniel said, normal, he says, en hébreu, on parle Shavuim Yamim. Daniel said, he spoke about 3 weeks, he couldn't sleep. When we speak about that, we speak about Shavuim Yamim. De même que nous connaissons une semaine de jours, as much as we know also weeks of days, à 7 jours, it's got 7 days. Ainsi, le Seigneur se sert de la notion de semaine d'année. Notion. Now, here's the Lord also is using the notion of the weeks of the year. Une semaine de Dieu ferait 7 ans. A week of God will do 7 years. Or, nous avons 70 semaines. While we have now 70 weeks. 70 semaines, c'est 7 ans fois 70. 70 weeks now is 7 times 70. Qui est 490 années. 490 years. Prophétique. Prophetic years. De 360 jours par an. Of 360 years per year. 360 days per year. Israël, fixed upon Israel. Et sur Jérusalem. Upon Jerusalem. Et les Juifs. And the Jewish. Les 490 années là. Now, the 490 years. Ramenez-moi le tableau de 70 semaines de Daniel. Bring me back the picture of 70 weeks of Daniel. Les 490 années là. Now, the 490 years. Est divisé par une semaine. Is divided upon a week. Vous êtes là? Are you with me? Est-ce que vous êtes là? Are you here? Une semaine. A week égale 7 ans. It's equal to 7 years. Quand nous avons trouvé une semaine égale 7 ans. As you found that a week is equal to 7 years. 70 semaines c'est 490. Now that means 70 weeks is equal to 490 years days. Mais c'est divisé en 3 périodes. But it's divided into 3 periods of time. Première période de 7 there semaines. There is a first period of 7 weeks. Depuis la promulgation jusqu'à la fin de la rédemption. From the announcement up until the end of the feast. Deuxième période. The second period. 62 semaines. 62 weeks. Jusqu'à l'oin. Up until the anointed. Et troisième période. And the third period. Le dernier 7 ans. The last 7 years. Qui est divisé en deux parties. Which is divided into 2 parts. Mais pour ce matin. Now, for this morning. Une semaine. 1 week. Égale 7 ans. Equal to 7 years. Et les 7 semaines. And the 7 weeks. C'est 49 ans. It's 49 years. Que ils ont depuis la promulgation. Which they had from the announcement. En train de reconstruire le temple. Rebuilding the temple. Jusqu'à la dédicace. Up until the dedication. Cela a fait 49. It spent 49 years.
Si quelqu'un a compris, qu'il lève la main. If somebody understood, lift up the hand. Et ils ont dédicacé ça. And they dedicated it. Maintenant, remarquez à la fin ici, comme vous avez compris. At the end, as you have understood, on termine ici. Finishing here. Il y a eu un mystère quand ils reconstruisent. There was a mystery when they were rebuilding. Le mystère là. The mystery here. Zorobabel. Zacharie 4. Zachariah 4. Ils ont reconstruit le temple. They rebuilt the temple. Dieu a dit à Zorobabel. God said to Zorobabel. Ce n'est ni. It's not. Par la force. By strength. Ni. Neither. Par la puissance. By power. Mais par mon esprit. But by my spirit. Qui es-tu, grande montagne? Who are you, great mountain? Devant Zorobabel. Before Zorobabel. Tu seras aplani. You will be made way. Il dit, les peuples se réjouiront. He says, the people will rejoice. Quand ils verront le niveau. When they will see the level. Réveillez-vous, le niveau. When they will see the level. Entre les mains de Zorobabel. Between the hand of Zorobabel. Dieu dit, les mains de Zorobabel. That's it. The hand of Zorobabel. Ont fondé cette maison. Made this house. Les mains l'achèveront. The hand will finalize it. Il dit, vous qui méprisez les jours de faible commencement. You that are despising the beginning of the weakness. Hallelujah. Hallelujah. Vous serez étonnés. You'll be astonished. Il posera la pierre de fer. He'll lay the cornerstone. Criant grâce, grâce. The capstone, shouting grace, grace. C'est un mystère. It was a mystery. De la reconstruction. Of reconstruction. Zorobabel est venu reconstruire. Zorobabel came to rebuild. Son assistant était Josué. His assistant was Joshua. Observez dans Josué, Zacharie 3. Observe in Zacharie 3. Il dit Josué. He says, Joshua. J'ôterai tes habits sales. I'll take out your dirty garment. Et il a dit Josué. He says, Joshua. Va devant la pierre. Go before the stone. À sept yeux. Seven eyes. J'ôterai l'iniquité. I'll take out the iniquity. Zorobabel. Zorobabel. Quand on dit l'application message de grâce. What I'm saying is the sermon message of grace. Il dit Zorobabel. He says, Zorobabel. C'est le messager du temps de la fin. Is the message of the end time. Je vais attendre un grand amen. All right, here, big amen. L'église était détruite the par le catholicisme. Was destroyed into Catholicism. Et Dieu a envoyé Zorobabel. And God sent Zorobabel. Zoro veut dire dissiper. Zoro means splitting. Babel veut dire confusion. Meaning confusion. Zorobabel. Meaning Zorobabel. Veut dire celui qui enlève meaning, la confusion. The one that takes away confusion. Babel, ce sont les églises. Babel are churches. La confusion. Confusion. Qui est Branham? Who's Branham? Il est notre Zorobabel. Is our Zorobabel. Il est venu enlever he toute la confusion. He came to take out all confusion. Tu as dit vers le soir. That's at the evening time. La lumière paraîtra. The light shall appear. Ce n'est pas par la force. It's not by strength. Branham n'avait pas la force financière. Branham never had financial strength. Ni un état qui le soutenait. Neither a state that supported mais him. Par mon esprit. But by my spirit. La colonne de feu. The pillar of fire. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. A one Branham. Anointed Branham. Et Dieu avait dit. And God said. Le niveau. The level. Pour mettre les briques. To put the, to lay the, sera the entre bricks. Les mains de will Zorobabel. Be upon the hand of Zorobabel. Frère Branham avait le niveau. Frère Branham had the level. Il faut avoir le niveau. You must have the level. Le niveau c'est la parole. The level is the word. Qu'est-ce que Branham a fait? What did Branham do? Il a prêché comme Paul. He preached like Paul. Il a mis la pierre angulaire. He laid out the cornerstone. De 33 from 33 à 62. To 62. En 63. 163. Les mêmes mains de Branham. The same hand of Branham. Qui avait restauré? That restored. Il a posé la pierre. He laid the capstone. L'achèvement. Achievement. Cela a crié grâce, grâce. It shouted grace, grace. Et c'est les mêmes choses avec. And the same thing with you. Nous disons. We say. Ce n'est pas par la force. It's not by strength. Ce n'est pas par la force d'un ancien. It's not by strength of any elder. Ou la force de popularité. Or by the popularity strength. Ou par une puissance financière. Or the financial strength. Mais il faut le niveau. But you need the level. Votre pasteur a le niveau. Your pastor has the level. Quand on a le niveau. When you have the level. Entre nos mains. Upon our hands. Ce n'est pas moi qui avais commencé cette église. I'm not the one that began this church. Le même Dieu. The same God. Qui avait fondé Amen. That led, began, founded Amen. Le 25 août 2002. The 25th of August 2002. À Yeovil. In Yeovil. Le même Dieu là. The same God. Achèvera cette église. Will achieve this church. Qui es-tu, grande montagne? Who are you, great mountain? Que tu sois Sambala. May you be Sambala. Que tu sois Tobija. May you be Tobija. Que tu sois Amman. May you be Amman. Tu vas mourir. You will die. Dieu a dit. God said. Qui es-tu, grande montagne? Who are you, great mountain? Devant Zorobabel. Before Zorobabel. Écoutez la bénédiction listen de Zorobabel. Listen to the blessing of Zorobabel. Est-ce que tu as des montagnes? Do you have mountain? Les montagnes. The mountains. Ne résistent pas. Does not withstand. Devant Zorobabel. Before Zorobabel. Et Zorobabel. And Zorobabel. C'est Branham. It's Branham. Celui qui enlève la confusion. The one that removes confusion. Maintenant, écoutez le souhait de Branham. Now listen to Branham's wishes. Branham a souhaité une chose. Branham wished for something. De le dire à l'église. To say to the church. Écoutez, Frère Branham. Listen to Branham. Vous devez naître de nouveau. You must be born again. Il dit ceci. He says this. Alors. Then.
ne nous conduit pas à la tentation. Il do not lead us into temptation. He prayed. Now wake up. Pray of our Father. Délivre-nous du mal. Set us free from evil. Vous êtes prêts? Are you ready? Vous êtes prêts? Are you ready? Du mal de la maladie. And from evil of sickness. Du mal de la dépression. The evil of depression. Oh, quelqu'un va crier amen. Can somebody shout amen? Guéris tous ceux qui sont ici ce matin. Heal all those that are here this morning. Toute personne malade. All sick person. Est guéri maintenant. Is healed right now. Seigneur. Lord. Je dis ces paroles dans le nom du Seigneur Jésus. I say this word in the name of the Lord Jesus Christ. Afin que. So that. Afin que. So that. Toutes les montagnes. All the mountains. Qui se trouvaient devant ces gens devant moi. That was standing before these people in front of me. Puisse être déplacé. Must be taken away. Si c'est la maladie. If it's sickness. Si c'est la convoiture. If it's lust. Si c'est la passion. If it's passion. N'importe quelle montagne. Whatever mountain it might be. Je le déplace ça. I move it out. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christ's name. Et que le royaume. And let the kingdom. Puisse les bénir. Bless them. Qui es-tu, grande montagne? Who are you, great mountain? Devant Zorobabel. In front of Zorobabel. Tu seras aplani. You'll be made flat. Et observez pour terminer. And observe now here. Pendant qu'ils construisaient. While they're rebuilding. Ils construisaient. They're rebuilding. 49 years. La construction est finie. The construction was finished. Toutes les montagnes ont été aplani. All the mountain was made flat. Qui peut dire un grand amen? Look at the big way. À la dédicace. To the dedication. Esdras 3:13 says. AGNF. Agaya. Two, le one jour night. De la dédicace, in the day of dedication, y avait des bruits. There were two noises. Les anciens qui avaient vu le premier temple, amen. The elders that saw the first temple, ils étaient en train de pleurer. They're busy crying. They're busy crying. Les jeunes and the young qui n'avaient pas vu le premier temple, that never saw the first temple, ils étaient en train de se réjouir. They were rejoicing. Il y avait une bruit confuse. There was a confusing noise. Et Dieu est descendu. And God came down. Pour blâmer les anciens. To rebuke the elders. Arrêtez de pleurer. Stop crying. La gloire du second temple. He says, the glory of the second temple sera plus grande. Will be greater que la gloire du premier than temple. The one of the second or the first. C'est la même chose dans les messages. It's the same thing in the message. Frère Branham a reconstruit l'église. Frère Branham rebuilt the church. Le 28 février dédicacé. The 28th to dedicate. Mais dans les messages nous avons deux groupes. But in the message we've got two groups. Les anciens qui pleurent le corps de Jésus. The elders that are crying about the body of Jesus. Le premier temple. The first temple. Si Jésus était là. If Jesus was there. Si Jésus était là. If Jesus was here. Mais il y a des young people. By the way, young people. Parce que le premier temple c'est Jésus. Because the first temple is Jesus. Le second temple. The second temple. C'est Branham. Is William Branham. Est-ce que vous dites amen? Do you say amen? Et Dieu a décidé. And God decided. Dans Jean 14:12. In John 14:12. La gloire. The glory. Dans la beauté. In the goodness. Le premier temple. The first temple. Come on, young people. Come on, young people. Était plus beau. Was more beautiful. Plus belle. Beautiful. Que le second temple. Than the second temple. Le corps de Jésus. The body of Jesus. Dépasse Branham. Is way beyond Branham. C'est né sans péché. Is born without sins. C'est le corps de Dieu lui-même. Is the God, the body of God himself. Le corps de Branham. The body of Branham. N'est pas beau. Is not so beautiful. C'est né par le sexe. Is born through sex. Mais la gloire. But the glory. La gloire du second temple. The glory of the second temple. Sera plus grand. Will be greater. Que la gloire du premier temple. Than the one of the first. Jean 14:12. John 14:12. Jésus a dit. Jesus said. Les œuvres que je fais. The works that I have done. Celui qui croira en moi. The one that will believe in me. Fera ses œuvres. Will do this work. Même de plus grand. Even greater. Frère Branham. Brother Branham. Est-ce que c'est vrai? Is it true? Il dit oui. He says yes. Il dit Jésus a eu plus de succès. He says Jesus had more success. Ici à Jeffersonville. Here in Jeffersonville. Dans ma vie. In my life. Dans mon ministère. In my ministry. Dans son propre corps. More than his own body. Frère Branham. Brother Branham. Question réponse numéro 3. Question and answer number 3. Question 329. Question 329. Frère Branham. Brother Branham. Les gens pensent que tu es Jésus. People think that you're Jesus. Les autres disent que tu peux créer. Others are saying that you can create. Est-ce que c'est vrai? Is it true? Branham a dit. Branham says. Dire que je suis ce Jésus. Saying that I'm that Jesus. C'est faux. It's false. Dites amen. Say amen. Je ne le suis pas. I am not. Je ne suis pas Jésus. I'm not Jesus. Je suis
son serviteur. I'm a servant. Je ne suis pas votre serviteur. I'm not your, I'm just servant. Jésus est votre sauveur. Jesus is your savior. Qui peut dire amen? Who can say amen? Faire de moi Jésus-Christ. Making of me Jesus Christ. C'est l'antichrist. It's antichrist. Mais, but quand on arrive à la création, when you arrive in creation, c'est l'exacte vérité. It's exact truth. Quand Jésus était sur when la Jesus terre, was on earth, il n'a jamais créé. He never created. Il changeait l'eau en vin. He was changing water to wine. Il multipliait les pains. He multiplied bread. Mais dans le néant, but in nothing, il n'a jamais créé. He never created. Mais ici avec but moi, here with me, j'étais là dans les champs. I was there in the field. Dans le néant, in the nothing, les écureuils se sont créés. The écureuils were created. C'est toujours lui. It's still him. Utilisant mon tabernacle. Using my tabernacle. Pire que je peux créer. Saying that I can create. C'est la vérité. It's the truth. La gloire du second temple, the glory of the second temple est plus grand, is greater. Si le message de Branham, if the message of Branham a créé les écureuils, created squirrels, les écureuils qui ne disent pas amen, the crowd that don't say amen, toi qui dis amen, you that say amen, le même message, the same message peut créer de l'argent, can create money, peut créer le Saint-Esprit, can create the Holy Spirit, peut créer tout, can create it all. Voilà la gloire que nous avons. Behold the glory that you have. Et cette gloire, and this glory, c'est cette semaine. Is this 7 week? Que cette gloire, let this glory, soit aussi à Amen Tabernacle. Be also in Amen Tabernacle. 2002 à 2009. 2002 to 2009. C'est la gloire du premier temple. Is it the glory of the first temple? Vous qui êtes à Yeovil, you that were in Yeovil. Ah, vous les anciens. Yes, you the oh, elder. Quand on était, oh, when we were. Quand on avait des millions. When we had millions. Mais vous les young people. But you young people. Il y a des young people. There are young people here. Dites aux anciens de cette terre. You must tell the elders to keep quiet. La gloire d'Amen the glory of Amen now. La gloire que j'ai maintenant. The glory that I have now, la gloire que cette the glory of this church has now, est plus grand is so glorious than the past year. Et je prononce and la I pronounce the word par rapport aux sept semaines, in line with the 7 weeks que la gloire that the glory de la reconstruction, of the reconstruction, la gloire qui crée, the glory that creates, puisse anoint each one of you. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Je ne parle pas de la gloire I'm de not prier. Talking about the glory of praying. Cette gloire that glory crée tout. Creates everything. Nous sommes we also. Dans la gloire, ah, in the glory de la création, of creation, dans le néant, in the nothing, dans le néant, in the nothing, il y a quelque chose. There is something. Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Mettez-vous debout. Let us all stand. Levons-nous.